Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois en direct sur notre média. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent aux médias. C'est très important. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à liker la page, à vous abonner à la page et à activer la petite cloche pour être averti des futures émissions. C'est super important. J'ai un petit peu le rêve d'arriver à 100 000 abonnés cette année. 100 000 Nuréens sur la planète Nuria, ça serait génial. Alors merci à tous ceux qui pensent à faire cet abonnement. Surtout que j'ai vu via YouTube que vous étiez plus de 40% d'ailleurs. On y serait en fait, on y est déjà aux 100 000. Sauf que vous ne vous abonnez pas. Donc merci aux touristes qui passent de temps en temps, mais tellement régulièrement que YouTube, pour YouTube, vous êtes abonnés quoi. Donc à la limite, allez-y, sautez le pas, faites ce petit clic et comme ça c'est fait. Et c'est vrai que plus le média a d'abonnés, plus les vidéos sont plus facilement visibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit clic très nécessaire pour le partage de l'information sur Nuria TV. Sinon, donc, les choses sont assez simples pour le moment sur Nuria TV pour partager cette émission avec nous, pour communiquer avec nous. Soit vous passez via le site parce que vous avez donc votre compte Nuréen et à ce moment-là, vous pouvez écrire vos commentaires sur le site et je peux donc les regarder. J'ai la page du site qui est ouverte. Soit vous passez tout simplement sur le chat de YouTube pour ceux qui aiment bien YouTube, les YouTubeurs. Je crois qu'avec Guillaume, on est en train d'hésiter à garder les deux en fait. On a quelques soucis sur notre site, ce qui fait que ça peut ramer un peu quand vous êtes très très nombreux sur le site. Mais si on garde les deux options, à ce moment-là, il y a moyen aussi quand même de s'éclater et comme ça aussi, vous pouvez quand même communiquer avec nous, bien que vous n'ayez pas de contenu rien. Mais bien évidemment, j'ai toujours un œil à la page Facebook, la page nurea.tv ouverte avec les commentaires en prioritaire des Nuréens et j'aurai toujours un œil sur les commentaires sur YouTube, quoi qu'il arrive. On va faire comme ça pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, bah, si on se sent bien comme ça, bah, tant mieux pour nous tous, comme ça tout le monde participe. Et sinon, ce soir, très très important, parce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce que c'est que sont ces blocs qu'il y a tout là-haut? Alors, je vais vous les montrer. Voilà, enfin, je vous en montre un, par exemple. Eh bien, ce sont des blocs faits par notre partenaire Shop Artefacts. Je vous partage la page parce que ça fait un petit moment que j'ai ces blocs sur la déco de Nuria TV. Vous êtes quelques-uns à les avoir remarqués. Donc voilà, je vous montre où est-ce que ça se trouve. On prend un petit peu de temps, comme ça tout le monde se met à l'aise, tout le monde se prépare, tout le monde arrive tranquillement et doucement sur le direct. Voilà, le site de Shop Artefacts où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui nous intrigue un petit peu dans le domaine de l'archéologie interdite ou archéologie alternative. Donc, vous allez sur la page donc Shop Artefacts, qui est aussi accessible sur notre site directement, nurea.tv, sur votre droite, où vous avez nos partenaires. Et vous allez donc retrouver les blocs de Puma Punku ici. C'est un site qui est super clair. D'ailleurs, voilà, Frédéric, je te fais un petit coucou. Voilà. Et vous avez donc la petite vidéo qui va donc vous expliquer un petit peu. Alors, je l'ai agrandi, moi, mais vous ne le voyez pas. Hop. Je vais juste bloquer un petit peu le son. Et voilà, vous avez cette petite vidéo-là. Vous allez pouvoir les regarder en 3D. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Sur Shop Artefacts, il y a aussi pas mal d'autres choses, comme notamment donc ici, la pierre du soleil. Il y a aussi les Moai, donc le mur de Cusco que j'adore. C'est un puzzle. Alors, bon courage à ceux qui se lancent là-dedans une fois que c'est défait. Voilà, croisez les doigts pour y arriver. On finit toujours par y arriver, mais en combien de temps? Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, c'est super chouette. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette page de Shop Artefacts. C'est fait en France, artisanalement. Donc, voilà, pour ceux qui s'investissent dans des projets un petit peu de ce genre-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et sinon, petite nouvelle sur Nuria TV. Hop, c'est tout beau, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Voilà, c'est tout neuf. Il y a 11 abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés aussi sur le Vimeo de Nuria TV. Vimeo que j'ai mis en place donc la semaine dernière où j'ai remis donc en accessibilité par exemple bah, les cours disponibles sur le site de Nuria TV. Je sais que bon bah, pour certains qui ont déjà un compte sur Vimeo, donc c'est un compte gratuit que vous ouvrez, vous vous inscrivez, vous avez la possibilité donc d'accéder à pas mal de vidéos sur Vimeo. Donc j'y ai placé aussi les cours et vous avez donc bah, là par exemple vous pouvez retrouver tous les cours de la langue des oiseaux. Pour bah, 20 euros, là, par exemple, au lieu de 25, moi, ça me permet de faire des petits prix plus bas, parce que sur notre site, c'est un peu compliqué de le faire, mais là, pour le coup, sur Vimeo, on vous a fait
des petites suites comme ça de cours accessibles pour moins cher. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous en avez envie et si vous avez envie d'en savoir plus sur différents sujets comme notamment les lignes de la main, l'initiation au pendule. Voilà, on a mis un petit peu le meilleur de nos cours de Nuria TV ici, puis surtout les cours qui sont toujours accessibles en replay sans problème. L'information n'est pas du tout périmée, ce n'est pas comme par exemple les ateliers qu'on va faire sur le channeling où là pour le coup c'est vraiment à l'instant T. Certains channeling, questions universelles, par contre, allez-y, c'est n'importe quand. Hein. Les questions universelles, les réponses, je pense que dans 3 ans, ce sera toujours les mêmes. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vimeo, abonnez-vous, parce que je vais l'utiliser pour autre chose d'ici quelques semaines. Voilà, je vous laisserai découvrir le moment venu, je vous fais des petites cachotteries, mais bon, j'aime bien vous faire des petites surprises. Voilà, des petits projets qui arrivent petit à petit. Et ce soir, en parlant de channeling, eh bien justement, on revoit notre ami Sylvain Didelot. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu ? Bonsoir Nora, tout va bien, ça va. J'écoutais tranquillement, je regardais les murs, ça va bien. Écoutez le speed de mon intro, tu sais. Non, c'est bon, j'ai tout compris, je vais m'abonner à Vimeo, je suis déjà dans tes YouTube Nuria, tout va bien. Depuis la dernière fois, ça fait 2 mois qu'on s'est vu, il y en a 5 000 de plus. Ouais, c'est jouable, les 100 000 à la fin de l'année, c'est jouable. Je faisais mes petites maths de mon côté en me disant, ouais, normalement, c'est jouable. Si, ça peut, il y a moyen. Ouais. Mais en fait, ils sont déjà là, comme je le disais, ils sont déjà là, mais cachés. On a des men in black, Nuréen. Ouais, c'est bon, mais j'aime bien en prendre que des petits morceaux. Mais non, prenez tout quant à faire. Exactement. Bah ouais. Vraiment. Allez-y, et les amis, la dernière fois aussi il y a eu des questions, comment faire pour retrouver Sylvain Didelot? Alors Sylvain, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on peut te retrouver, sachant quand même qu'il y a le lien sous les vidéos? Alors pour me retrouver, il y a plusieurs moyens. Le mieux c'est d'aller sur mon site qui s'appelle bêtement sylvaindidelot.com, d'accord. Si vous voulez me retrouver, tiens moi aussi je vais faire des partages d'écran, paf paf, yes. Voilà, si vous voulez me retrouver entre guillemets en vrai et en live, évidemment je fais des conférences un peu partout en France, là je vous montre les dates, hein. On va à Dijon à la fin de cette semaine, tiens, ouais. Lausanne dans 2 semaines, dans Paris le 20 avril, Nancy le 4 mai, allez-y à Nancy, c'est une nouvelle date. Chimay en Belgique le 18 mai, ça c'est pour ceux qui veulent me voir en vrai. Il y a un site donc qui s'appelle sylvaindidelot.com. Si vous allez sur sylvaindidelot.com, j'avais pas prévu, mais je vais quand même le faire en live aussi, tu vois, on est tous les deux dans du live. Si vous allez sur l'origine du site, déjà, vous allez retrouver tous mes channelings en texte, gratuitement. Hein. Ceux qui veulent le voir en live et en direct, il y a une partie payante, mais je crois que c'est 3,70€, ça doit être jouable quand même. Hein. Ça, c'est pour les voir en live tous les mois. Sinon, ici, vous avez un petit bouton, inscrivez-vous à la lettre mensuelle. Et donc, quand vous vous inscrivez sur la lettre mensuelle, eh ben, vous avez, j'allais dire, un courrier par semaine maximum qui vous explique ce que je fais, où je vais, voilà, tout ce qu'on peut faire ensemble. J'allais dire, le programme avec Nora a été prévu. Je vous ai expliqué que la semaine prochaine, je suis sur une autre chaîne que tu as connue à une époque. Donc ça, on sait, c'est laquelle. LGC. ça fait 3 ans que j'ai pas dit le nom. LGC. Le grand changement. Ça fait pas mal, t'inquiète pas. En tout cas, j'y suis pour un question-réponse. Et oui, il y a plein de rendez-vous, mais le mieux c'est d'être inscrit à cette lettre. J'ai aussi une chaîne YouTube, il y a 10 000 personnes, hein, donc si j'atteins les 20 000, je suis déjà content, moi. Mais c'est bon. Donc voilà comment on peut suivre. Il y a une chaîne YouTube, il y a mon site internet, s'abonner à la lettre mensuelle, ça permet déjà de recevoir plein d'infos. Dans les dates, là, de conférence, je l'ai pas dit, mais au mois de septembre, parce que j'ai des amis québécois qui me cherchent, là. Mais je vais au Québec pendant 2 semaines, donc je vais en profiter pour faire une petite conférence, une près de Montréal à Saint-Jérôme et une autre à Québec. Donc je vous redirai ça, je redonnerai les liens à nos amis là-bas. Voilà. Je pense que ça répond à la question de manière speed aussi, mais comme c'était pas le but de la soirée, c'est fait. T'as vu comment on est, hein? Tu sais, dès qu'on veut parler de choses un petit peu techniques, technico-pratiques... Ouais, dès qu'on veut parler de nous, c'est pas grave. Débrouillez-vous, bon, vous allez trouver. Oubliez. C'est comme quand des fois on fait des rappels. On est un site participatif, n'hésitez pas à participer, voilà, au lancement. Voilà. Participer, donc ce côté financier. Regardez bien, il y a un bouton Tipeee. 63 000, si tout le monde mettait 1€, on est tranquille pour les 3 ans à venir. Vraiment. Donc, oui. Donc voilà. Mais ouais, c'est toujours assez dérangeant. Mais en tout cas, c'est aussi parce que, tu sais, souvent ça dérange les personnes qui ont eu des soucis, justement, économiques. Plus avant,
Et je pense que tu as dû traverser aussi des périodes comme ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Mais bon, après, je sais que tout le monde ne va pas mal. Qu'il y en a qui vont bien. Donc, les personnes qui vont à peu près bien, voilà. Si vous voulez donner un coup de main, on est là. Et il y a aussi... Donc, aider ceux qui vont moins bien, bien sûr. Et aider ceux qui vont pas super... C'est ça, le monde futur. Ouais. Exactement. Il y a Corinne qui te dit « J'adore ta déco, Sylvain. » Eh ben, écoute, je vais la garder. Je la change. C'est validé. Je la change de temps en temps. Je ne vais pas te dire d'où elle vient entièrement, mais, mais oui, merci. C'est gentil. Il y a des graphiques intuitifs. Il y a des, il y a un monsieur qui est, qui s'appelle Florian, Florent. Je vais te donner son nom. Aurélien Florel, c'est lui qui fait ce genre de petites choses là. Et il en a plein. Alors il fait des coussins, il fait des draps, il fait des trucs comme ça. Lui, il habite dans une île, je sais même plus laquelle. Ici, c'est un tableau de Florence Ade. Effectivement, là, vous retrouvez le copain Bouddha. Oui, il y a une plaque du Québec parce qu'effectivement, vous aurez deviné, j'adore ce pays. Voilà, c'est un peu ça le décor. Mais bon, après, il y a mes petits copains qui sont là, les petits guides. Effectivement, on va peut-être en avoir un ce soir parmi ceux-là. Ça m'étonnerait qu'on ait Jean-Paul II là-bas. Mais bon. On verra. C'est tout jamais. Donc, justement, channeling ce soir. Donc, on va te poser des questions. Les questions peuvent venir de n'importe où. Donc, n'hésitez pas. Vous avez donc la possibilité, pour ceux qui sont connectés au site nuria.tv, de laisser vos questions là et de passer sur YouTube si jamais le site rame un peu. Vous avez la possibilité d'écrire directement sur le chat YouTube. Merci pour le t-shirt. Ouais, je suis fan de Wonder Woman. J'adore quand elle tourne. C'est ce côté un petit peu, allez, on y va là, on avance. J'aime bien le côté la gueule aussi, mais bon. c'est ce que je prendrais pas. Voilà. Ouais. Bon. Mais donc si vous avez des questions universelles, alors attention, pas de questions de santé négatives, je ne prendrai pas, voilà, on prend pas ça sur un live comme ça, sur Internet, sur YouTube, avec toutes les personnes qu'il y a autour, si jamais la réponse, elle était un petit peu... compliqué ou qu'elle demandait du temps à développer, bah, vous ne seriez pas dans les bonnes conditions. Donc, pour ça, vaut mieux contacter Sylvain directement. Si Sylvain vous parle, si vous avez l'intuition que voilà, c'est la personne à qui vous auriez envie de poser des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à le contacter directement sur son site ou je ne sais pas comment ça se passe pour ce genre de... Il y a de des rendez-vous sur le site, c'est blindé jusqu'à voilà, un bon bout de temps, mais bon, s'ils sont patients, il y a moyen. Voilà, donc comme ça, c'est réglé. Ce soir, donc, ça sera des questions universelles qui touchent un petit peu tout le monde ou au moins votre ville, votre village, voilà. On va développer un petit peu, mais ce qui vous passe par la tête. Alors, Sylvain, la dernière fois, je vois Mister Tito qui nous dit l'ambiance nationale politique. Alors, il y avait autre chose, c'est-à-dire que Sylvain, c'était juste à mourir de rire la dernière fois que tu es arrivé, Sylvain nous a dit « politique, je fais pas ». Sauf qu'en channeling, il ne contrôle pas ce qui est dit. Et donc... Oui, ma femme n'essaie pas de me piéger parce que je suis là quand même. Hein. Voilà. Je l'ai laissé faire, mais si j'avais voulu empêcher le Moria de raconter tout ce qu'il a raconté, j'aurais pu. D'accord, parce qu'il a été soft quand même, mais quand on a vu le sujet arriver tout doucement, on s'est dit... Ouais. Bah, il a quand même déballé la sauce. Ce qui, effectivement, n'a pas plu à certains. Hein. Donc, moi, je fais une précision, je n'invite personne à croire tout ce qui se passe ici ou à imaginer que je suis complètement dingue, c'est votre problème, c'est... Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être des hyper furieux du commentaire, ça ne sert à rien, vous pouvez zapper directement. Oui, voilà, vous pouvez zapper directement, si jamais ça vous perturbe, zappez, ce n'est pas une émission pour vous. Sur Nuria TV, en fait, on aborde plein de sujets différents, dans les mystères et l'inexpliqué. Ce n'est pas encore expliqué, forcément, comme on peut le concevoir sur d'autres sujets, comme d'autres sujets. Donc, on tente le coup, on va regarder qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur le channeling comme ce soir, et on va essayer de développer un petit peu la chose en ayant, pendant cet instant, pendant cette soirée, une certaine ouverture d'esprit. Ensuite, après, c'est à vous de prendre du recul, de réfléchir à ce qui a été dit ce soir, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rentrer en corrélation avec des choses que vous avez apprises ailleurs. À ce moment-là, bah, tant mieux, comme ça au moins, voilà, vous voyez que ça confirme un petit peu vos recherches. Si ça se passe comme ça, tant mieux. Mais c'est vraiment la soirée tête dans les étoiles. Hein. Sur Nuria, on dit les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, parce qu'on a des sujets où il peut y avoir les deux, d'autres sujets où ça va être vraiment les pieds sur terre à 100%, où tout va pouvoir
pouvoir être vérifié, comparé, tout ça. Et là, c'est la tête dans les étoiles parce que vous n'avez pas tous la capacité, ou en tout cas si, on aurait, semble-t-il, tous la capacité de faire du channeling, mais on n'en a pas tous fait l'expérience. Donc, on ne peut déjà pas comparer avec nous. On n'a pas forcément quelqu'un dans notre entourage qui fait du channeling. On ne connaît pas forcément. Je vous invite par contre, pour les détails d'explication du channeling, à regarder les autres vidéos de Sylvain Didelot sur YouTube, que ce soit sur sa chaîne ou sur Nuria TV ou sur d'autres médias, à d'autres endroits où tu expliques, notamment la première sur Nuria TV, vous aurez toute l'explication. On est resté un moment à expliquer comment ils vivaient tout ça, comment ça se passait. Même sur la dernière émission, on a pris 5 minutes. Là, ouais. À chaque fois, on va essayer d'avancer un petit peu. Bien qu'on ait pris quand même une grosse introduction pour parler de tout ça. Donc, ça, c'est fait. Rentrons dans le fond du sujet. Je vais prendre une question et je vais les prendre un petit peu au hasard, sachant que je vais peut-être relire un tout petit peu, en tout cas la première au hasard, les autres je les lirai pour éviter justement les questions de santé pour les personnes qui arriveraient en cours de route et qui auraient oublié ou pas entendu en tout cas cette introduction. Et voilà, je vais prendre Anna Yavanna qui est sous mes yeux et ça défile assez vite. Hop, je te redescends. Et elle nous dit, est-ce qu'on va avancer sur le climat au niveau mondial ? Est-ce que toi, tu aurais ton feeling personnel, ton higher self qui pourrait répondre, ou quelqu'un d'autre? C'est comme à chaque fois, je te laisse faire avec les questions. Comme c'est tu dis, il y a le higher self, c'est déjà un guide, hein, c'est déjà une guidance. Je vais sortir un bouquin avant la fin de l'année, d'ailleurs, je vous le dis, qui va expliquer ce qui va se passer sur Terre les 100 prochaines années. Donc là, il y aura quoi vérifier, puisque a priori, 25% vont se réaliser dans les 25 prochaines années, notamment cette notion de climat. Alors, je vais te répéter ce que disent les guides. Je les laisserai passer quand je n'ai pas la réponse, évidemment. Mais là, la réponse, ça fait, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, c'est pas la première fois que je leur demande. Eh ben non, le climat va se dégrader copieusement. Ça va même être un gros bordel. Mais, et donc là, je fais un espèce de teaser du prochain livre. Je donne même pas le titre. Mais on va dire que c'est ce qui se passe sur Terre dans une centaine d'années. Alors vous êtes des habitués sur Nuria TV, mais vous avez déjà entendu parler de technologies de contrôle du climat, que ce soit entre guillemets humaines de type ARP, bien que c'est pas vraiment fait à mon avis pour contrôler le climat, mais plus pour communiquer avec des sous-marins, mais c'est un autre sujet. Néanmoins, nos amis extraterrestres, eux, évidemment, ont cette technologie de contrôle du climat, donc une technologie qui permettrait de modifier les nuages, pour parler gentiment, de modifier les courants marins, et vous savez sans doute que le climat dépend surtout des courants marins, et pas tellement ce qui se passe à l'extérieur est important, l'effet de serre est important, mais le principal c'est les courants marins. Si on arrête les courants marins, nos climats, ça y est, c'est fini. Donc on se pose beaucoup de questions, d'ailleurs c'est ce que disent les guides, vous posez énormément de questions sur ce qui se passe à la surface, mais vous n'en posez pas tellement sur ce qui se passe dans la mer. Et ça, c'est dommage, parce que même des continents complets de poubelles, ça modifie... peut modifier des choses dans les courants, ça peut modifier des choses importantes. Donc notre climat va se dégrader. Ce n'est pas une bonne nouvelle, on démarre bien. Non. Il va se dégrader tellement copieusement qu'effectivement, on va vers des raz-de-marée de plus en plus fréquents, on va vers des éruptions volcaniques de plus en plus fréquentes. Particulièrement cette semaine, c'est ce que m'avaient dit les guides, j'ai eu confirmation. D'ailleurs, aujourd'hui, on m'a écrit que dans le centre de la France, il y a eu un gros tremblement de terre. Enfin, gros, 4 ou 5 sur l'échelle de Richter, c'est déjà pas mal. Pour la France. Ça se coûte déjà un petit peu, surtout à un endroit où théoriquement il n'y avait pas tant de volcans que ça. Mm-hmm. En tout cas, il y a des sites, si vous ne me croyez pas, il y a des sites qui suivent toutes les éruptions volcaniques du monde et tout le moindre côté sismique. Allez voir, vous verrez, il y en a de plus en plus. On nous a parlé évidemment de tornades, on nous parle même de super volcans. Ne pensez pas qu'à Yellowstone, les gars, des supervolcans, il y en a 12 sur la Terre, le plus proche de nous, il doit être en Italie de mémoire, mais c'est pas bien loin, quoi. Et là, effectivement, toute cette chaîne de supervolcans, d'après les guides, est reliée entre eux. Bon, on n'a jamais creusé 60 km pour savoir si c'était vrai, mais je vais imaginer que ce qu'ils disent n'est pas complètement farfelu. Donc, ces supervolcans, s'il y en a un qui se met en éruption, ça annonce gentiment l'arrivée des autres. Je dis ça parce que j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est pas grave, si c'est Yellowstone qui pète, le nuage va nous passer au-dessus. » Ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, il y a quelques années, avec un nuage radioactif, mais ne rêvez pas. Ouais. S'il y en a un qui pète, ils vont tous péter un derrière l'autre. Mais alors, malheureusement, comment vous dire, ça fait partie des hypothèses. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le futur, et qu'expliquent les guides aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas voir ce qui va se passer, mais les potentiels de ce qui va se passer. Alors, vous allez me dire, c'est facile, les scientifiques aussi font des prédictions. On est d'accord.
On est totalement d'accord sur le sujet-là. Ils font des prédictions par rapport à quoi? Ils font des prédictions par rapport à l'état de pensée générale de la planète. C'est comme s'il y avait un vote permanent, énergétique, de ce que pensait tout le monde sur la planète. Alors, il dira ce qu'il nous en parle d'autre que ça, dans certaines lettres, mais que tu connais. Mais il y a un vote planétaire permanent, une sorte de vote de conscience qui permet de déterminer s'ils ont le droit de nous aider, pas le droit de nous aider, s'il y a des interventions, pas d'interventions. Pas seulement des interventions extraterrestres, mais aussi des interventions de l'énergie. On a une grande chance vis-à-vis du climat et en général sur la planète, je t'explique quand même un truc qui va arriver là, assez vite, c'est que ça y est, d'après les guides, nous arrivons là, en 2019, à un moment où les scientifiques vont cesser de parler de la matière comme étant quelque chose de solide, mais bien comme étant de l'énergie pure. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de matière. La matière, en fait, est une énergie qui viendrait de la lumière, condensée avec de l'information. Et en fait, l'information plus de l'énergie, ça donne l'apparence de la matière. Bon, si vous ne le savez pas, je vous le dis quand même. Si je prends tous les atomes de votre corps, tous, sans exception, et que je les réunis, vous tenez sur la pointe de mon petit coupe-papier. Sauf que vous êtes tout le temps en train de dire « Ah, il faut que je m'occupe de ça ». Oui, mais vous avez donc oublié que vous êtes composé à 99,999% de vide. Alors, c'est intéressant parce que quand scientifiquement on va en arriver là, ça veut dire qu'on va tomber sur une génération humaine qui ne va plus s'occuper de la matière, mais enfin, on va toujours s'en occuper, on a toujours des aspects pratiques à régler, vous inquiétez pas, le fisc ne nous oubliera pas, le monde non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est en tout cas, on va penser énergie et on va parler conscience. Parce qu'on va se dire que si on est composé à 99,99% de conscience, on aurait plutôt intérêt à agir sur ce pourcentage-là pour modifier la matière, que d'essayer de modifier la matière sans modifier la conscience. Donc, quand on va arriver dans ce monde-là, et on y est, ça y est, on est dans ce passage, même pas la peine de demander c'est quand, c'est fait. On est déjà là, on est déjà avec certains scientifiques. Au début, j'ai tendance à penser à des gens qui vulgarisent ça, comme Nassim Haramein, Greg Braden ou Joe Dispenza, mais eux, ils le vulgarisent, et puis Bruce Lipton aussi, dans une partie sur la biologie, mais globalement, on arrive à des humains éveillés, enfin, éveillés, c'est pas le terme, conscients d'être des consciences, conscients d'être pure conscience. Quand on est conscient de ça, eh ben, on est conscient de ce qu'on appelle l'effet Maharishi. Donc, on est conscient de l'effet Maharishi, je t'explique. Merci. C'est un effet qui fait que quand plusieurs personnes prient pour la même chose, on obtient un effet sur un autre groupe de personnes. Ça a été expliqué très bien dans des vidéos de Greg Braden, si vous voulez acheter un œil sur le net, mais la formule est relativement simple, c'est x au carré fois 100. Donc, on va rappeler l'hypothèse. Si vous êtes une personne à prier, 1 fois 100, vous pouvez déjà agir sur 100 personnes. Si vous êtes au carré, donc 2, 2 fois 2 fois 100, 200. Donc déjà, à 2, vous agissez sur 200, mais à 3, sur 900. Et donc, il suffirait que 8000 personnes 8800 quelque chose, pris en même temps pour atteindre 7 milliards de personnes. Donc, pour modifier l'intégralité des consciences. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut que ces personnes-là pensent à la même chose au même moment. Donc, le chiffre de 8000 est souvent représenté dans certains textes sous la forme de 80 000, voire 800 000 dans certains textes pour être sûr d'avoir le quota, j'allais dire. Mais en tout cas, cet effet Maharishi fait que quand on a une vague de conscience comme ça qui commence à déferler, elle ne s'arrête plus. Phénomène qu'on connaît avec les manifestations en ce moment. C'est une vague de conscience. Elle ne va pas s'arrêter comme ça. On pourra essayer ce qu'on veut, mais ça y est, c'est parti dans le monde entier. La vague, elle est partie dans le monde entier. Et il a suffi que quelques dizaines de milliers de personnes se réunissent. On a atteint le chiffre et ça y est. La vague est partie éveiller l'humanité dans un besoin de liberté. Mais il y aura ce même besoin sur le climat. On l'a vu. Tu sais, en France, on a atteint le nombre de personnes signataires de cette fameuse pétition sur le climat qui fait que notamment notre gouvernement est attaqué à propos de sa gestion climatique. Bon, ouais. La France ne représente qu'un pour cent du problème. Cependant, on a toujours eu vocation d'exemple dans le monde. Donc, allons-y, jouons. Et donc, sur ce côté climatique-là, ben voilà, c'est pour ça qu'on en a des hypothèses d'après les guides. On a trois hypothèses cataclysmiques, si je puis dire. Peu importe le type de cataclysme, globalement, les trois arrivent à la même conclusion. Un tiers de la planète meurt. Un tiers. Quand même 2 milliards. On n'est pas en train de parler... en train de parler de 2 milliards de personnes, quand même. Hein. Mm-hmm. Et là, il y a trois hypothèses sur cinq qui donnent ça. Les deux autres,
je préfère me pencher sur le côté positif. Les deux autres hypothèses sont assez intéressantes. Il y en a une qui parle d'une élévation de conscience de l'être humain suffisante pour arrêter tout ça et prendre conscience, avoir des espèces de prêtres ou de gens, de groupes qui méditent. J'ai créé un groupe de prière d'ailleurs pour soigner des gens. On utilise cet effet Maharishi et on obtient des résultats géniaux. Hein, on est plus de 3000 ou 4000 à prier, donc on peut déjà atteindre un milliard de personnes. Et il y a des effets quand même déjà sympathiques sur des particuliers, on va dire, et sur des groupes aussi. Mais une hypothèse, l'élévation de conscience, auquel cas le climat va être résolu. Hein, parce que sans être vache, là aussi, Greg Braden vous l'expliquerait, c'est que si on était 40 à penser « il pleut », il va pleuvoir. Hein. Je vous invite à essayer d'ailleurs un jour chez vous. Et c'est pour ça qu'il fait toujours moche les jours de rentrée scolaire où tous les enfants disent… Imaginez l'humeur des enfants, ouais. Est-ce que, voilà, imaginez l'humeur des enfants, c'est aussi pour ça, tu connais l'effet « c'est le week-end, il va pleuvoir ». Ouais. Il fait beau toute la semaine et le week-end, il pleut. Gros effet. Bon, ça, c'est aussi un effet qui fait qu'on ne regarde pas quand il fait beau et on regarde que quand il pleut. Donc, il faut se méfier aussi de cet aspect psychologique. Il n'empêche qu'effectivement, quand des milliers de personnes se mettent à penser à la même chose en même temps, ça peut donner des trucs pas cool. Et on a tous plus ou moins le spleen en septembre, alors que nous, ça fait longtemps qu'on est rentré bosser. Mais ça n'empêche qu'on ne sait pas pourquoi on a tous plus ou moins le spleen en septembre, au moment où nos gamins, eux, ils l'ont très largement en allant à l'école. Ils vont. On a de la chance aussi, parce que ça, dans le futur, ils iront en rigolant. Mais aujourd'hui, ils n'y vont pas comme ça. Donc, l'autre hypothèse, la dernière, va vous plaire, puisqu'elle consiste à dire que c'est nos amis extraterrestres qui viennent nous sauver. Oui, mais temporairement. C'est-à-dire, I come back, tu vois. Je viens et je reviendrai plus tard. Dans le sens où ils viennent un petit peu rétablir le truc pour que ça tienne quand même. Hein. On va éviter que votre planète se dégrade. On va intervenir. Ils sont déjà là, hein, ça on le sait. Surtout avec vous, on est bien au courant. Ils sont déjà là, mais ils interviennent pas plus que ça. Mais ils se mettent à intervenir de manière un peu plus massive. Et puis, ils repartent en disant, vous inquiétez pas les gars, on revient dans 200 ans. On verra comment vous avez évolué. Il y a une hypothèse comme ça dans le temps. Hein. Il y a quand même une deuxième hypothèse qui est comme ça. Bon, en attendant, ils nous auraient laissé quelques cadeaux technologiques fort sympathiques, du genre l'énergie libre, qui serait déjà une très très grande révolution. Mais voilà, à partir du climat, d'une question sur le climat, on peut aller très très loin. Mais c'est ça qu'on entend de la part des guides. Et ce que je suis en train de vous dire là, il faut savoir qu'on est des dizaines de channelers à canaliser. On dit des channelers pour ceux qui canalisent. Il n'y a pas de mot français. Canalisateur, ça fait bizarre. Canaliseur, ça fait bizarre. Oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est pas channeling, c'est canalisation. Oui, mais ouais. C'est moi, ça me fait toujours penser aux canalisations. Oui, ça fait penser aux canalisations de la baraque, on est d'accord. Puis ça peut se boucher et tout ça. Mais bon, channeler, c'est un peu compliqué. Le mot français canalisation est sans doute une mauvaise traduction, mais bon, elle me va, c'est pas grave qu'on canalise ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a plein de gens sur la planète qui en ce moment canalisent la même chose. Si vous regardez bien, tous en même temps, sans forcément se connaître, on est tous en train de dire la même chose. Bon, à part deux, trois furieux convaincus d'entendre des voix et qui disent que le monde est foutu. Non, c'est pas ce que disent les channels actuellement. Ils disent que, de toute façon, une grande partie de la population sera sauvée, les deux tiers. On est en train de jouer quand même, entre guillemets, avec malheureusement un tiers de cette planète. Et c'est ça l'enjeu réel. C'est pas de se dire, est-ce que la planète va survivre ? Oui, elle va survivre. Par contre, est-ce qu'on est obligé d'emporter 2 milliards de personnes dans ce délire ? Je ne sais pas. Oui, on a pu voir ça. Je vous invite à regarder le comptoir des mystères où on s'est regroupé avec donc, le Grep, Ludo d'Icaris, du magazine Icaris et Demian. Et on en a parlé justement des prophéties et de la fin du monde, et notamment en 2019. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'autres extinctions d'être vivant sur la planète, c'est déjà arrivé plein de fois. Donc oui, on peut l'entendre, on peut le comprendre. Après, forcément, ça rend triste. Et j'aurais une question de Caro sur le site Nuria TV qui nous dit « Pourrais-tu nous parler, Sylvain, du fameux 28 juillet de cette année ?» On sait aussi qu'il y a le 19, 20, 21, là, dans cette zone. Globalement, on va dire juillet 2019. Alors, juillet 2019, on en entend beaucoup parler depuis que Chico Xavier... si vous ne savez pas qui c'est, il y a une excellente émission de Nuria TV avec Elisabeth de Caligny sur ce sujet. Bisous Elisabeth. Bisous elle. Il faut que je la contacte d'ailleurs, je suis en train de le dire. Mais en tout cas, Chico Xavier, Xavier, excuse-moi, je le prononce mal, Chico Xavier. mon portugais est très mauvais. Avait annoncé effectivement qu'en juillet 2019, alors je vous la fais courte parce que là, il y en a qui vont partir en vrille tout de suite, le Christ nous a accordé un délai,
Et ce délai était un délai de 20 ans, donc au moment... Non, 50 ans. Oui, excuse-moi, tu vois, j'ai trop loin. Oui, 50 ans, Chico Xavier, il y a 50 ans, où il a dit en gros, hey, pour le moment, les gars, on vous fout la paix, mais on revient dans 50 ans. Et là, en gros, si vous continuez vos conneries, on va libérer la planète, elle va gentiment faire tout ce qu'il faut pour survivre elle, mais tant pis pour vous. Et a priori, ce serait Jésus qui serait en charge de nous sauver. Alors c'est vrai qu'on entend parler de ce Jésus comme sauveur dans un tas d'endroits différents. Alors, il y a toujours un sauveur, hein, on a eu ça à toutes les époques. Et effectivement, on tombe sur la date de juillet 2019. Alors, cette date, on la retrouve quand même, effectivement, vous avez dû en parler dans d'autres émissions, mais on la retrouve dans plein d'endroits. On la retrouve dans des calendriers, alors pas calendrier maya cette fois-ci, mais on la trouve dans des calendriers sumériens. Non, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. On retrouve cette date aussi. Bon, peu importe, j'allais presque dire peu importe, on la retrouve. Je vais juste vous parler de ce que j'ai entendu aux canalisations. Juillet 2019, c'est le fameux moment du vote final. C'est-à-dire que ça a déjà commencé, mais en juillet 2019, toutes nos consciences vont être checkées. Quand on dit checker, c'est imaginez que vous aviez un appareil qui soit capable de lire votre aura. Dans votre aura, on peut lire à peu près tout ce que vous êtes. L'aura, c'est le champ énergétique qui entoure ton corps. On peut lire à peu près tout ce que tu penses. Sympathique. Et à partir de là, vous êtes capable de le faire de manière planétaire. Et que disent les guides? En tout cas, je vais dire ce qu'ils m'ont dit à travers moi. Comme ça, je vais éviter de faire du Chico Xavier. Ils m'ont dit, vous devez absolument atteindre la paix sur Terre. Ils ont dit la même chose à Chico Xavier. Mais... là où ça devient complexe, c'est la paix sur Terre, d'après le guide que j'ai eu, il disait la paix sur Terre, en termes humains, vous l'avez. C'est-à-dire, même s'il y a des guerres, on le sait, il y a des guerres sur la Terre, en tout cas, le pourcentage de guerres par rapport à la non-guerre, ça va. Il y a d'autres peuples dans l'univers aussi guerriers que nous. Hein. Il n'y a pas que nous comme étant... voilà. Évidemment, la majorité est beaucoup plus cool que nous, mais il y en a aussi qui sont un peu plus vindicatifs. Hein. Faut savoir quand même, on n'est pas les gros méchants de la galaxie. Détendez-vous, tout va bien. Par contre, en termes de paix, il faut qu'on soit en paix avec tous les règnes. Alors le règne minéral, ça va à peu près, on leur fout la paix, ils sont surtout dans l'intra-terre, donc globalement on leur fout la paix. Le règne végétal, là quand même, quand on voit le massacre d'arbres qu'on fait en Amazonie, ailleurs, on sait tous qu'on est en train de tuer le poumon du monde, c'est borderline, mais d'après les guides ça passe. Mais alors là où ça passe pas, c'est sur les animaux. Là, ça passe pas. Parce que les guides expliquaient gentiment, alors j'ai vérifié leur info, tu vois, ça m'a permis de prendre du temps, mais effectivement, on tue tous les ans 5 fois plus d'animaux qu'il n'y a d'habitants sur la planète. Tous les ans. Oui, réfléchissez, vous mangez au moins 5 poulets par an. Je dis juste ça. Quand je le dis sous forme de poulet, les gens comprennent. Il y en a qui me disent, non, je bouffe pas 5 bœufs, on est d'accord. Enfin, 5 poulets, il y a quand même des chances. 5 poulets entiers, il y a quand même des chances. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que tous les ans, on massacre en moyenne 35 milliards de bestioles pour manger. Particulier, quand même. Très particulier. Donc, d'après les guides, ça, par contre, c'est une guerre. Alors, c'est une guerre qu'on gagne. Ils n'ont pas le choix, entre guillemets. Alors, à part le taureau qui se défend de temps en temps, globalement, les autres, je n'ai jamais vu un poulet se battre. À part dans Chicken Run. Récemment, il y a un petit groupe de poulets, là, une petite bande, qui a tué un renard. Ça, c'est bien. Ils les attaquaient. Franchement, c'est la première fois que ça arrive. Oui, mais enfin, il faut arrêter. Les animaux se rebellent. Ils ne sont pas si cons que ça, ça, faut être clair. Et en tout cas, on est en train de perdre cette guerre. Donc, c'est important de savoir que pour que cette prophétie-là ne se réalise pas, il est important que l'humanité, ce que disent les guides, peut-être que... je verrai tout à l'heure s'il y en a un qui veut le dire différemment, mais je leur pose la question là-haut, mais a priori, ils me disent non, vas-y, mais bon, j'y vais. On a besoin d'une conscience végétarienne, j'allais dire. Alors, pas végétalienne, pas végane complet, puisque l'œuf non fécondé, il n'y a pas de souci, les plantes, même les carottes, en temps. Il y a Isabelle Delorme là, qui dit « Devenir végétarien est la clé ». Et Marie-Neige nous dit c'est un vrai génocide, oui, tu as raison. C'est la clé. Mais alors là, les guides, attention, n'allons pas dans les extrêmes. El Moria, qu'on a eu la dernière fois, a aussi un texte que vous retrouverez d'ailleurs sur mon site. Je ne vais pas trop aller rechercher. Mais bon, il y a quelques mois, on avait fait, tous les mois, je fais une canalisation assez longue, d'1 heure, 1 heure et demie. Donc El Moria nous expliquait que
Ce que nous demandent les guides, c'est pas d'arrêter de manger de la viande. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup qui ont lu ça en disant « Ah, ils nous disent d'arrêter ». Non, non, non. Ils nous demandent de diminuer drastiquement. Donc, du coup, avec les guides, en tout cas, j'explique toujours que ce que je dis est ce que j'ai canalisé. C'est-à-dire, s'il y en a d'autres qui canalisent autre chose, grand bien leur fasse. En tout cas, quand j'ai demandé aux guides « Quelle est la quantité de viande dont a besoin l'humain, a priori pour vivre ?» Ils m'ont dit « Très, très peu ». Donc, moi, j'ai dit « Combien ?»« Très, très peu. Combien ?» Et d'après eux, un steak par semaine, un tout petit steak, l'équivalent d'un steak de viande par semaine suffirait. D'accord ? Donc, on va me dire, oui, on pourrait même remplacer le steak par des protéines végétales. Je suis d'accord. Mais, entre guillemets, pour ceux qui veulent continuer la viande, j'ai posé la question pour eux. Hein. Combien ? Un steak. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, hein, quand vous allez au... Voilà, je ne vous raconte pas le massacre, hein, ce que je dis souvent, quand vous allez au KFC, je les aime bien, mais... Imaginez que ce soit des petites mains de bébé à la place des petites pattes de poulet, vous seriez dans une folie intégrale. Mais là, c'est des pattes de poulet, alors ça va, on peut y aller. En plus, élevé en batterie, quant à faire, dans des conditions pitoyables, quant à faire. Enfin, c'est pas grave, je veux dire, je suis pas en train d'essayer de culpabiliser les gens qui font ça. Ce que je dis, et ce que disent d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de scientifiques, de biologistes, etc., on est en train de nous montrer, de nous démontrer que d'avoir trop de protéines génère des cancers. Ne pas en avoir assez, évidemment, vous serez malade. Mais en avoir trop, il faut savoir qu'une cellule cancéreuse, principalement, se nourrit de ça, de protéines. Donc, il en faut, oui, mais il n'en faut pas trop. Parce que ce que vous allez nourrir à l'intérieur de vous, ce n'est pas ce qui va vous sauver, c'est ce qui va vous détruire. Donc, je vais me faire tuer par M. Ducamp, mais c'est vrai que son régime, c'est un régime de tueur. Oui, ça fait maigrir, ah, tu m'étonnes, ça bouffe toute l'énergie, on est d'accord. Ça bouffe toutes les réserves d'énergie dans le corps quand on mange de la viande. La preuve, le régime Ducamp, ça consiste à manger que de la viande. Et qu'est-ce qui se passe? Vous maigrissez. Donc, est-ce vraiment un aliment complet si vous maigrissez? Ben non. Évidemment, non, puisque vous êtes carencé, sinon votre corps, il n'irait pas chercher la graisse. Il n'est pas bête, le copain. Donc, du coup, pensez-y, le régime fonctionne. Soit dit en passant, ça fonctionne, pas le problème. Mais, en tout cas, on nous demande d'avoir une conscience éclairée, j'allais dire écologique, ça, c'est pour les minéraux végétaux, et pour la planète, et pour te refaire un teaser sur le bouquin que j'ai écrit, dans une centaine d'années, on n'aura pas le droit de construire une maison tant qu'on n'aura pas pu prouver, ou l'entreprise qui fabrique la maison, qu'elle a reconstitué au moins autant d'arbres qu'elle en a coupé pour faire ta baraque, ou qu'elle n'aura pas recyclé autant de poids de matériaux que le poids de ta maison. Bien. Ce sera du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faudra avoir recyclé autant de matériaux que ce que tu vas utiliser. Donc, le marché dans le futur, pour ceux qui veulent se faire des thunes, je vous le dis tout de suite, et ce sera valable dans une centaine d'années, c'est de recycler les matériaux de construction pour en refabriquer d'autres. Faire du ciment à partir de poudre de béton ou des choses comme ça, ça, je veux dire, vous allez vous faire des couilles en or, même si l'argent n'existera plus. ça serait pas mal. Donc, dans 100 ans, il n'y aura plus d'argent. Il y aura encore un système de points, si tu veux. Il y aura encore un système qui ressemblera à de l'argent, mais en tout cas, il n'y aura plus de dettes et plus de banques. Ah. J'ai un commentaire de Robin Desbois qui me dit « Le climat et beaucoup de choses bougent sur notre planète, mais attention à ne pas tomber dans le catastrophisme au risque de provoquer, pouvoir créateur oblige, et puis tout est parfaitement orchestré pour le meilleur de notre évolution. Alors, alléluia, c'est parti !» Il a bien raison, effectivement, tout est clair. Il est dans le lâcher-prise, c'est pour ça que j'ai voulu parler des deux hypothèses positives, et je vous invite à dire, oui, il y a des hypothèses négatives, mais je préfère qu'on travaille tous ensemble sur l'évolution de la conscience que sur la dévolution de l'humain, j'allais dire. Oui, on peut se rattraper, et moi je trouve qu'en France, notamment, parce que c'est un pays que je connais bien quand même, on a fait d'énormes progrès. En un an, j'ai vu les rayons bio doubler, en un an, j'ai vu les produits végétariens, véganes, poussés partout, il y a des rayons complets maintenant, mais en un an. Alors à votre avis, pourquoi? Ben, je pense qu'il y a des gens quand même qui sont très très bien placés, ils sont tout à fait au courant que c'est très très important, et qui ont laissé faire. Qui n'avait pas laissé faire avant. Donc, il y a des choses dans ce genre-là. Et puis aussi, évidemment, nous, consommateurs, j'ai toujours dit, n'oubliez pas, votre vrai bulletin de vote, ça s'appelle un caddie. Tout ce que vous mettrez dans votre caddie, évidemment que si vous achetez du yaourt au lait de chèvre, on va vous faire des yaourts au lait de chèvre. Évidemment que si vous achetez des produits véganes, on va vous en mettre dans les rayons. Donc, c'est à nous d'agir. C'est certainement pas au gouvernement. Ça. Par contre, les guides sont très, très clairs. Votre gouvernement, c'est vous.
C'est ça. Donc, moi, essayez de visualiser un petit gilet jaune sur votre carte bleue. Voilà. Ouais, faites les bons choix. Voilà. Pourquoi comme ça, pas. Les cartes jaunes, tu sais. Qui nourrissez-vous? Qui voulez-vous nourrir avec ça? Ouais. Qui partage? Qui est partageur? Qui fait attention à la planète? Qui, à ce moment-là, hop, vous sortez ce bulletin de vote qui fonctionne tout le temps, tous les jours. Et voilà, comme ça, vous mettez de l'argent dans un système qui vous parle. Et à ce moment-là, bah, ce système, comme tu disais, les rayons dans les magasins, au début, c'était tout petit. Ensuite, ils ont commencé par grandir. Et maintenant, on a des magasins entiers. Et donc, ça crée de l'emploi. Donc, l'emploi qui est perdu d'un côté parce que vous y mettez plus d'argent, comme c'est nous qui agissons, ça va se faire forcément petit à petit. Pas du jour au lendemain où là, on peut fermer des boîtes et mettre des familles dans des situations compliquées. Mais commencez dès maintenant à faire 10% de vos achats avec ce système-là, ceux qui le peuvent 100%. Mais je sais que c'est aussi un petit peu plus cher de faire, de prendre les produits justement qui sont bio ou avec de l'agriculture biologique ou pas loin de chez soi. C'est un faux débat. C'est pas forcément plus cher. Parce qu'il y a un truc qu'on nous a dit et qu'on commence à revenir en arrière, c'est les quantités de nourriture. Il faut savoir qu'en France, la quantité minimale de nourriture qu'on nous donne aujourd'hui, c'est un tiers de plus qu'il y a 50 ans. On nous dit qu'aujourd'hui, il faut manger un tiers de plus pour être mieux. Si tu imagines la qualité nutritive de ce qu'on mange pour qu'on soit obligé d'en mettre un tiers de plus. Alors que si vous mangez de la bonne qualité, ça va vous coûter plus cher, mais vous en mangerez moins. Apprenons à manger moins. Ça, c'est compliqué. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude du « à volonté », c'est un peu compliqué. Voilà, donc faites attention à ces choix-là, et en plus vous mangez mieux, vous avez moins faim, parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous nourrit à ce moment-là, et pas comme quand on sort de chez le McDo, on a faim une heure après, voilà. Ou alors, en plus de ça, on a mal au ventre. On n'est pas très bien, donc là faites attention à ça, et vous verrez que petit à petit, le système change. Parce que vous faites en sorte qu'ils changent tous ensemble. Donc, ça peut fonctionner. Ensuite, un commentaire de Madeleine qui nous dit « Bonjour, belle gang. Je vous prends à la volée, mais je vais vous reprendre en replay. Merci beaucoup pour vos belles réflexions. » Voilà, la preuve que je prends des commentaires au hasard. Merci, Madeleine. Alors, juste en dessous, Stéphanie qui nous dit « Est-ce que notre mode de vie va changer? Si oui, dans combien de temps ?» Donc, dans 100 ans, ce sera fait. C'est tout l'objet du prochain bouquin. Si je te le fais, j'ai plus rien à vendre, j'allais dire. Mais ça a déjà commencé. Le changement, il a déjà commencé. Je vous ai dit, la vague de fond, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est les gilets jaunes. Peu importe ce que devient le mouvement maintenant, j'allais dire. Pas de débat là-dessus. Mais en tout cas, la vague, elle est partie. La vague est partie, elle ne va plus revenir en arrière. On ne la fera plus à l'envers à un tas de gens à qui on l'a fait à l'envers pendant des années. C'est terminé. En tout cas, je pense qu'ils l'ont compris et que c'est un peu flippant pour un tas d'hommes politiques notamment et pour un tas d'autres gens. Donc, le changement, encore une fois, l'erreur, on vient d'en parler, c'est justement de croire que le changement, il va venir que d'en haut. Il va venir des deux côtés. Il va venir d'en bas de nous, consommateurs, consommateurs, vous appelez ça comme vous voulez, et il va venir des gens en haut qui vont être obligés de soutenir ce que nous on fait. Dire, effectivement, s'il y en a qu'un qui râle en disant « faut pas faire ça », on dira « écoute, on va le mettre en prison, comme ça il nous fera la paix ». Mais quand il y en a 10 millions, c'est plus la même limonade. Il va peut-être falloir s'en occuper. Il y a un principe que n'ont pas oublié, malgré ce qu'on croit nos politiques, c'est qu'ils sont censés… le peuple est gouverné par le peuple, si tu veux. Ils sont censés aider le peuple à aller dans le sens où il veut aller. Ah oui, mais comment qu'on fait truc bidule? Ben oui, je sais bien, ça va être contraignant, ça les oblige à penser à autre chose. Mais on y est, donc cette pression va venir de nous. Donc la question, tu sais, j'ai presque envie de faire du Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ce qu'il avait dit quand même, quand aux États-Unis, tout le monde lui disait, mais sauvez le monde. Et lui, il disait, mais attendez, commencez par le sauver, vous. Parce que vous nous demandez à nous ce que vous ne faites pas chez vous. Vous nous demandez à nous de faire des choses et vous refusez d'être dans un mode de vie différent. Alors, ça va impliquer un mode de vie différent, mais on y est. On a la chance, pas notre génération, enfin, si, un petit peu, nous, ça va. Mais la génération suivante est déjà une génération de partage. C'est déjà une génération de troc. C'est déjà une génération avec une culture, j'allais presque dire, végétarienne, végane, relativement bien implantée. C'est une génération qui fume pas, qui boit pas tant que ça. Puis la bière encore, mais bon, pas énormément. Donc, c'est une génération, j'allais presque dire,
miraculeuse et sauvée, il faut qu'on bosse pour eux. J'allais presque dire, je suis désolé pour nous, quoi. Nous, on va voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 25% de la réalisation du plan, et ce sera déjà pas mal, parce que ça nous permettra de voir ces fameux E.T. Nous faire un petit coucou et se pointer. Mais voilà, le changement, mauvaise pub, le changement, c'est maintenant. Je dis mauvaise pub, mais ça rappelle des trucs. Le vrai changement, c'est maintenant. Mais on y est. On y est depuis 2012, on n'est pas aperçu, c'est pas d'hier. Depuis 2012, on est dans cette ère de changement. L'émission qu'on a aujourd'hui, déjà avec toi Nora, il y a 2 ans, on n'aurait pas pu la voir. Aujourd'hui, on arrive à la voir parce qu'on a déjà une évolution de conscience et des gens qui se disent, ah mais ce qui se dit là-haut dans un autre espace-temps, on va appeler ça comme ça plutôt que de parler de dimension, ce qui se dit dans un autre espace-temps est en train de se réaliser. Je suis désolé de vous dire que si vous lisez les canalisations de Lee Carroll Kriyeon, c'est quelqu'un qui est un channeler américain très connu. Si vous lisez ses canalisations des années 80-90, ben ce qu'il a écrit est en train de se faire. Et ce n'était pas un prédicateur absolu, mais on est complètement dedans. Je ne vais pas aller dans des prophéties comme Nostradamus, etc., qui sont 100% interprétables. C'est tellement écrit dans un langage codé qu'on ne comprend pas. Mais évidemment, vous connaissez les lettres humides mieux que moi. Si on lit ce qui est écrit dedans, quand même, ils nous ont avertis. Ils ont fait comme les guides, remarquez. Hein. Ils ont annoncé une catastrophe, mais c'est plus pour nous dire changer et bouger que pour nous prédire la catastrophe en elle-même. Leur idée dans les lettres, c'est clairement de vous dire changer. C'est maintenant. Vous devez changer maintenant. Parce que voilà ce qui va arriver. Si vous ne faites rien. Bon, le si vous ne faites rien n'est pas si clair. Mais c'est juste des avertissements. Comme on dirait à un enfant, attention, il y a un mur. Attention, il y a un mur. On n'est pas en train de lui dire qu'il va se prendre le mur. On est en train de lui dire que s'il continue, il va se prendre le mur. On est dans ce changement. Mais que les gens ne s'inquiètent pas. On va vraiment vers une époque, je ne peux pas vous la décrire en 5 minutes 30, mais on va dans une époque formidable. Ça va être, mais alors, génial à tout point de vue. J'espère juste qu'on ira. Parce que c'est parti des 2 milliards qui vont se barrer. Ah, tu sais, moi, peu importe, c'est d'un côté ou de l'autre, du milliard ou du côté des 2 milliards, apparemment, on a plein de vie. Oh. c'est infini. Moi, j'aimerais mieux le vivre dans un état de conscience adulte que dans l'état de conscience d'un bébé, mais bon. Ouais, t'imagines, tu renais. Bien sûr, mais bon. C'est déjà tout beau. Mais bon, ce serait déjà pas mal de vivre une autre ambiance que celle-là. Je pense juste à un truc. Désolée, les amis, je vais refaire un peu de promo. Mais là, c'est pour mes modos que je vois super actifs aussi. Et ils m'ont dit qu'il y avait un petit truc sur Tipeee à faire qui était gratuit. Et ça serait cool. Je vous fais le partage d'écran. Je vous le partage maintenant. Merci à Mickaël qui m'en a parlé encore l'autre jour. Il m'a dit, il faudrait que tu le dises, que tu en parles. Et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Il faut que je le dise, comme ça je suis... Allez, c'est fait. Voilà, c'est fait. Je vous montre ça, je ne sais pas qui utilise Tipeee aussi, si ça peut aider aussi d'autres personnes qui utilisent Tipeee, vous le saurez. Mais sur Tipeee récemment, ils ont installé ces petits... Ah oui, merci pour les 337 tipeurs. Merci, 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 merci beaucoup. Donc si vous voulez nous aider, c'est aussi par là, pour ceux qui en ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, il y a ce système-là, vous regardez cette vidéo, enfin vous lancez la vidéo, j'ai envie de vous dire, on ne la regarde pas forcément, et ça permet d'engranger des petites piécettes. Et comme ça, bah, c'est gratuit pour vous. Et en même temps, si tout le monde va cliquer de temps en temps, et ben finalement, on prend des sous du côté des grands publicitaires, des grosses marques. Voilà. Donc, il suffit juste de cliquer. Bon, faut se connecter. Faut avoir son compte sur Tipeee. Et à ce moment-là, vous lancez les vidéos. Vous les lancez. Apparemment, on peut en lancer 2 ou 3 par semaine ou par jour. Je ne sais plus. Faut que mes modos me le disent si Mickaël est dans le coin. Ou Marie, si elle est dans le coin aussi, je pense qu'elle s'y connaît mieux. Voilà la petite information. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous permettent de faire vivre Nuria TV. Comme vous avez vu, 337 tipeurs. Il y en a certains qui passent directement via le site. Et on a déjà vu avec Guillaume, vous étiez 400 à 450 à faire en sorte que soit plus de 63 000 Nuréens, voire plus, hein, comme je vous ai dit, avec tous ceux qui passent sans forcément s'abonner. On est dans les 100 000 Nuréens, donc vous êtes dans les 450 à faire vivre Nuria TV pour plus de 100 000 personnes. Merci à vous. Merci à vous tous. Et voilà. Et les 100 000 autres personnes, et ben, on est là. Si vous avez envie de nous aider, c'est maintenant. Voilà. Alors, ça, c'est dit, c'est fait. Et je vais prendre tout de suite une autre question. Tu sais, tout à l'heure, c'est passé par une oreille, c'est pas ressorti. La découverte ou la réalisation consciente de la majorité de la population sur la planète, celle qui est connectée aux médias, aux journalistes, voilà, je ne parle pas de certains petits coins, et souvent ils en savent plus que nous, mais
J'ai vu cette question-là, je ne sais plus qui l'avait posée, je suis désolée parce que je crois que c'était sur YouTube et ça va très très vite sur le chat. Et c'était pour savoir, est-ce que tu pourrais nous aiguiller encore un petit peu plus pour savoir à peu près, approximativement, quand est-ce que viendrait ce moment où ça serait normal de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers. Juste une... Je ne peux pas t'aiguiller parce qu'en fait, il n'y a pas de temps. C'est compliqué d'expliquer le temps depuis un endroit où il n'y a pas de temps. Je les comprends, les mecs. Je dis souvent, imaginez une très grande salle avec des tout petits carreaux à l'intérieur. Des petits carrelages. Vous imaginez des carrelages de 5 par 5. Et vous êtes dans cet espace-là. Vous êtes donc des êtres en quatrième dimension qui regardaient les êtres en trois dimensions qui sont dans leur petit carrelage. Sauf qu'un carrelage représente un jour. Et votre pièce fait 150 mètres. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer combien de carrelages il y a à 50 mètres ? Non, mais sur 100 ans, je me dis sur une période de 100 ans. Dans 100 ans, on y est. Ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. Enfin, ne t'inquiète pas. En tout cas, dans ce que j'ai canalisé, moi, cette année et l'année prochaine, franchement, le projet Disclosure, c'est même, enfin, autrement dit, l'arrivée extraterrestre, c'est même plus une question de si, c'est quand. Et c'est pas est-ce qu'ils vont venir ? Déjà, ils sont là. C'est quand est-ce qu'ils vont se montrer ? C'est le quand. Alors, je comprends cette histoire-là. La dernière réflexion que j'ai eue avec les guides et un certain, le nom est imprononçable, mais c'est pas grave, c'était entre 0 et 10 ans. Ça veut dire que ça peut être demain matin ou dans 10 ans. La bonne nouvelle, c'est 10 ans. On sera encore là, oui. La mauvaise pour certains, c'est 10 ans, en se disant, ah, tiens, 10 ans comme ça. Mais là où c'est très important, comprenez qu'ils ne vont pas révolutionner notre monde. Là, il y a un gros, gros, gros gap et je vous invite à faire très, très attention, à croire que quand ils vont arriver, tous nos problèmes vont être résolus. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que si on étudie l'histoire humaine, on va s'apercevoir qu'au Moyen-Âge, on avait inventé un dieu, des dieux et des guides qui devaient nous sauver. Ils sont encore là dans des égrégores pour certains et je discute avec même certains d'entre eux. Donc oui, ils étaient venus nous sauver. Ils devaient venir nous sauver. Ah, ils ne nous ont pas sauvés. Après, on est passé au siècle des Lumières. Et au siècle des Lumières, c'est la pensée, la philosophie qui devait nous sauver. Ça n'a pas bien marché. Après, la science est apparue. La science, les alchimistes, etc. sont apparus. Et on a dit, oh, la science va nous sauver. Ah, ça n'a pas marché. Il y a eu une petite époque assez courte, celle-là, où on s'est dit, les politiciens vont nous sauver. Ça va, ça s'est passé vite. Hein. On a vite compris. Non, ils ne vont pas nous sauver. Et maintenant, on en est à, les extraterrestres vont nous sauver. Mais où va-t-on ? C'est ça que j'essaie de dire. Mais où va-t-on ? On est toujours en train de chercher un sauveur. Alors, ils vont venir, mais encore... Mais moi, ce n'est pas dans l'idée du sauveur. Je n'ai pas envie qu'on me sauve. Je pense qu'on est assez grand pour se bouger les fesses et réagir et ne pas attendre que ce soit ou des aliens qui viennent nous donner un coup de main ou le gouvernement qui vienne nous donner un coup de main. On n'a pas les mêmes ambitions. Donc, clairement, donc voilà, faut qu'on bouge nous-mêmes, faut qu'on agisse nous-mêmes par nos choix, comme je te l'ai dit, avec cette carte des lecteurs qu'on a tout le temps, qui est la carte bleue. Mais pour les aliens, c'est ce côté, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de faits, il y a tellement de choses qui ont été dites ces 50 dernières années. J'invite tout le monde à retrouver le livre de Franck Morin, Les ovnis de la préhistoire à nos jours. C'est-à-dire, ça ne date pas non plus d'il y a 50 ans avec Roswell. Mais c'est parce que jusque-là, ils étaient là en tant qu'observateurs. Eh bien, quand ils ont arrêté d'observer et venir voir le thé. Observateur et conseiller. J'aimerais que tous vous regardiez la série des films Star Trek et que vous compreniez ce qu'est la directive numéro 1 dans Star Trek, qui est de ne pas s'ingérer dans un peuple, etc., même si certains n'ont pas pu s'empêcher de le faire, exactement comme dans le feuilleton d'ailleurs, régulièrement, ils sauvent une race qui n'a rien demandé, donc régulièrement, il y a des races qui sont venues, alors entre parenthèses, il y en a qui ont joué au cow-boy, hein. Il y en a qui sont venus faire des adductions alors qu'ils n'avaient pas le droit, ils se sont plus ou moins fait rattraper, je crois qu'Elisabeth vous avait expliqué ça, mais effectivement ils se sont plus ou moins fait rattraper par d'autres qui leur ont dit bon bah maintenant on arrête les conneries, hein, même s'il y en a encore, mais ils se cachent. Et en fait, l'avantage de cette année, justement du mois de juillet, c'est ce fameux vote, parce que là, jusque là, ces charmants petits hommes verts, on va être gentil, on les appelait hommes verts, ils ont été voir nos chefs de gouvernement en se disant « Ah, visiblement, ces peuples sont représentés, on va aller discuter avec leurs chefs, et quand leurs chefs accepteront qu'on vienne, on viendra. » Sauf que là, avec la petite vague de fond dont je suis en train de parler, t'as nos amis OVNI qui se sont dit « Ah merde, ah non, excuse-nous, ah non, ils ont élu leur dictateur, les mecs, ah non, donc c'est pas possible. »
c'est pas possible, on va pas faire ça. Finalement, on va arrêter de demander à leur chef, on va essayer de voir si la population en elle-même, elle serait prête. Et évidemment que nos gouvernements aussi étaient au courant de ça. Donc, c'était le moment où on a eu toute une vague de films où l'extraterrestre était le méchant. Parce que si c'est le méchant, t'as pas envie de le voir, tu vois. Ah non, la merde, faut pas qu'ils atterrissent. Oui, dans la conscience des gens, Independence Day, ça donne pas envie de dire. Bah, Independence Day, certains Men in Black, machin, on nous a fait toute la blague de merde, faut pas déconner. Ils sont plus gros que nous, ils sont méchants. Y a les reptiliens, on entend parler tout le temps, alors qu'il y a que 2 rats sur 7 de reptiliens qui sont méchants. Les 5 autres sont super cool. Bon, il y en a qui ressemblent à Kermit la grenouille, mais c'est pas grave. Se dit en passant, pourquoi pas. Bon, il y en a s'ils pouvaient ne pas tout de suite venir boire le thé, mais envoyer une carte postale. C'est sûr qu'un insectoïde qui rentre dans ta maison pour boire un thé, tu vas faire la gueule. Mais bon, un Vénusien, tu dirais pas ça. Hein. Les grands blonds. Je sais pas d'où ça vient, c'est le formatage ou quoi, mais c'est vrai. Hein. Je sais que t'attends les grands blonds avec grande impatience, mais. Ils sont pas équipés pareil. Bon, en tout cas, ils sont très dans la conscience. Et là, ce qui va se passer au mois de juillet de cette année. Un humanoïde, voilà. Tu peux leur demander aussi, ils peuvent prendre la forme que tu veux, mais c'est autre chose, ça. Mais... Alors, Brad Pitt. Au mois de juillet, voilà si tu veux. Ils viennent 5 Brad Pitt d'un coup. Je vais prendre celui-là. Bon, en tout cas, au mois de juillet de cette année, il y aura ce fameux vote planétaire, c'est-à-dire que nos amis extraterrestres ont compris. Alors, ils sont pas cons, hein. Non plus, ils avaient compris un peu avant, mais ils ont compris que là, c'est l'humanité qui décide. L'humanité. Et c'est peut-être ça que Chico Xavier, un peu dans son livre, tu sais que Chico Xavier, il était prolifique, hein, il a écrit plus de 300 livres, hein. C'est énorme, il a fait une production de bouquins, un truc de fou. D'ailleurs, il n'a jamais rien gagné dessus, il est resté pauvre toute sa vie. Et donc, oui, parce que ses guides lui ont dit « c'est pas pour toi ». C'est pas pour toi, mais c'est bien, mais il l'a fait gentiment. Il n'a rien pris. Ouais, il l'a fait gentiment. Je vois Lily qui dit « on a perdu Nora oui. ». Non, on l'a pas perdu. Ah, les Pléadiens, les Vénusiens, tout ça. On l'a perdu avec Brad Pitt, mais c'est pas grave. Elle va revenir avec notre ami et ça va le faire. Bon. N'écoute pas l'émission. Bon. En tout cas, tu vas me perdre aussi. En tout cas, il va y avoir ce vote en 2019 et je pense que ce qu'a essayé de nous dire Chico Xavier à travers sa psychographie, c'est que les 50 ans, c'était un autre vote. Ça veut dire qu'il y a eu un vote il y a 50 ans. Et il y en a un autre maintenant. Et que le vote d'il y a 50 ans, il était un peu perturbé et perturbant, et qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de conseil galactique. Ça ressemble un petit peu au dernier film de la Guerre des Étoiles où il y a toutes les races qui sont réunies, ce genre de truc. On a du mal à se l'imaginer, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme dans le film Jupiter aussi. Voilà, excellent, c'est exactement ça. Jupiter, d'ailleurs, c'est pas un heureux hasard si ça a été lâché cette affaire. Mais bon, c'est encore autre chose. Rien n'est vraiment fait au hasard dans ces histoires-là. Et le Grand Conseil a décidé de se dire, oui, mais alors les humains, on n'a pas tout compris, ils ont des chefs ou ils n'ont pas de chefs. Et donc, du coup, le Père Jésus, qui fait, bougez pas, je vais vous expliquer, je les ai connus les gaillards. Merde, si c'est lui qui raconte. Ah oui, ben il raconte. Ils m'ont cru, ils m'ont mis en croix. Bon, bref, peu importe ce qu'il leur a raconté, le brave homme, mais en tout cas, il leur a dit, ce sont des braves gens, continuons à les aider et à les accepter éventuellement dans la fédération, confédération, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend des littératures. Moi, ils disent toujours fédération, ils disent pas confédération, mais ça c'est de la sémantique, on s'en fout. Et on retourne dans 50 ans, et vous verrez, dans 50 ans, ce sera pas les mêmes. Alors, c'est vrai quand même, je veux quand même être clair, entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était dans le début des années 60-70, il y a quand même eu des progrès technologiques qui ne viennent pas que d'ici d'ailleurs, mais plutôt d'ailleurs ici. Ouais. Et c'est vrai qu'on a changé et on a évolué, mais on est dans ce vote-là. Donc, après ce vote de juillet, il n'y a rien qui leur interdit le lendemain matin d'atterrir. Sauf qu'il faut bien imaginer qu'il y a comme un colloque et comme un nouveau truc qui se réunit de la galaxie. Alors, ils ne réunissent pas toutes les galaxies des galaxies. Ils réunissent que la galaxie dans laquelle ils sont. C'est sympa. Déjà, nous, ça fait déjà beaucoup. Hein. Quand on sait qu'on est dans un bout de bras d'une galaxie et qu'on se dit qu'ils réunissent toute la galaxie, ça commence à faire du monde quand même. Hein. Même à
à 1 par planète habitée, ça fait plus d'habitants que la planète. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est là que ça va se décider, cette affaire, pour répondre à ta question. Mais je n'ai pas la réponse de ce concile-là. Pour avoir discuté avec un être galactique, encore une fois, j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas grave, lui, il me disait qu'il a... Alors, c'est un espèce de diplomate, quand il m'a parlé, ça m'a fait rire. Ils ont des personnages, ces guides, là. Et il me disait, je ne suis pas très inquiet pour vous, je pense que ça va bien se passer. Mais ça, c'est un peu comme ton avocat qui dit, t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir, ça va bien se passer. Donc, je me méfie un peu de ce genre de discours. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus encourageants que même nous, on peut l'être. Et ils ont réellement dit, voilà ce que m'ont dit les guides aussi. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, je crois qu'El Moriah te l'avait dit aussi la dernière fois. On va tout utiliser, chaque moment, chaque instant, jusqu'à ce mois de juillet. Il n'y a pas un jour qui va être perdu. Il n'y a pas un jour où on ne va pas lâcher une info. Il n'y a pas un jour où on ne va pas permettre à une bonne partie de l'humanité de s'éveiller et de vivre un événement suffisamment important pour qu'il y ait un éveil de conscience. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre un commentaire. Alors, Connor qui nous dit « Pour mon com précédent, je ne suis pas un troll ou rageux anti-Nuria, je cherche juste à comprendre. Ne voyez pas en moi quelqu'un de méprisant ou malveillant, mais j'ai tellement peur d'être manipulé par le côté spirituel et j'en viens à douter de beaucoup de choses les concernant. » Alors, je n'ai pas vu ton com précédent. Et tout peut être dit, Connor. Ne t'inquiète pas pour ça, tu peux tout dire. Après, l'équipe de Modo et moi-même, on est vachement intransigeants sur les mensonges, la diffamation, les insultes, ça, non. Mais là, par exemple, tu peux dire que c'est... Parce qu'il y a des petits instants quand même, les amis, où je sais que certains d'entre vous ont déjà vu pas mal d'émissions sur Nuria TV, où on va assez loin, pas mal de personnes ont aussi déjà vu des émissions avec Sylvain Didlot, donc tout va bien, vous savez quels sont les précautions à prendre, si vous voulez. Et des fois, j'ai des petits rappels, là, pendant qu'on est en train d'échanger. Je me dis, si quelqu'un clique comme ça sur YouTube et tombe là en plein milieu, il va se dire, mais c'est quoi ces gens? Donc, si je vois un commentaire en disant, c'est quoi ces gens? Moi, je laisse. Je comprends, c'est normal et c'est humain. Alors, imaginez que vous êtes en train de... Je vais les aider. Imaginez que vous êtes en train de parler à un voyant qui fait une prédiction sur quelque chose, on le croit ou on le croit pas, c'est un peu la même idée en fait, hein. Quand on est en channeling, on est un petit peu, j'allais dire au bord de s'exercer, en tout cas la compréhension de la part des gens, ça doit être la même. Il nous dit des trucs, si ça nous parle, on prend, ça nous parle pas, on prend pas. Mais c'est ça. C'est juste qu'il y a un moment, faut qu'on se relâche parce que c'est vrai, je n'ai pas pensé à dire tous les quarts d'heure, attention, prenez un moment de recul avec toute l'information. J'invite peut-être les gens à lire les canalisations que je fais depuis je ne sais pas combien d'années, qui sont aussi sur mon site. Et vous verrez qu'il y en a certaines qui étaient écrites en 2013-2014 qui se sont réalisées. Voilà, c'est ça. C'est qu'on sait qui on invite sur Nuria TV. Ça nous intéresse. D'ailleurs, c'est marqué sous chacune des vidéos. Vous avez l'explication. Regardez, tu te rends compte que, oui, voilà, sur le site que j'ai récupéré, vous trouverez même mes premières canalisations d'avril 2008. Donc, vous pouvez vérifier. Ça, c'est très bien. S'il y a des prédictions dedans, vous aurez de la marge. Ouais. N'hésitez pas à aller vérifier, voir ce qui s'est passé depuis. Comme ça, vous pourrez voir si Sylvain Didlot, même si vous n'avez pas les mêmes expériences, vous ne pouvez pas comparer facilement. Bah, vous pouvez vérifier aussi, les informations. Donc, les vidéos étaient de moins bonne qualité, comme Nuria au tout début, ou sur l'autre média. J'avais encore des cassettes à cette époque-là. Des VHS, Sylvain Didlot en VHS. Énorme. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. On fait un petit rappel en début d'émission, un petit rappel en fin d'émission. Donc, je le ferai aussi à la fin si j'y pense. Généralement, quand je dis ça, j'oublie. Mais prenez vraiment du recul, vérifiez les informations. On y va doucement. Mais c'est vrai que pendant le temps de l'émission, comme je vous ai dit, on ouvre son esprit, on prend les informations. À la fin de l'émission, c'est là où vous allez donc voir ce que vous allez garder ou pas. Et même demain matin au réveil. Je te propose d'ouvrir l'esprit plus grand parce que j'ai quelqu'un qui veut me parler là. Je pense qu'on va, je vais le laisser en freelance nous dire ce qu'il a à dire. Je t'en prie. Ça ne te dérange pas. Donc ce ne sera pas une question pour le coup, ou alors il va peut-être répondre à l'ensemble des questions en même temps. Ah, moi j'adore les interventions comme ça. En tout cas, tu sais, j'ai un système en channeling, c'est un petit peu, j'ai des mots de tête qui viennent, que c'est un peu comme si les guides me disaient, vous avez un nouveau message. Et je connais ces mots de tête et je sais que quand ça arrive, c'est un peu comme s'ils me disaient, et Sylvain, tais-toi donc là, et laisse-moi parler. Donc je vais attends, le faire. Je cale la caméra sur toi, hop, et on prend le message sur Nuria.
Alors, je ne sais pas s'ils vont m'enlever les lunettes ou les laisser. Ça, c'est pareil. C'est pas un Oui. sketch. Je n'ai pas compris, jamais compris. Il y en a qui me les laissent, il y en a qui me les enlèvent. On verra bien. Ok. Je vous en remercie de votre intention de me recevoir. Je vous donne mon nom. Oui. Certains me connaissent et d'autres non. Je suis Sanat Kumara. Je suis ce qu'on appelle un maître d'ascension. Vous en avez connu d'autres. Je fais donc partie de ces êtres qui ont déjà habité votre plan, déjà habité votre planète. Et nous sommes maintenant dans une sorte de monde intermédiaire, celui que vous appelleriez de l'au-delà. Et que vous l'appeliez au-delà, dimension, peu importe, ça ne change rien. Alors, mon message de ce soir, il est un peu lié effectivement à l'ensemble de votre questionnement sur ce qui peut se produire en ce moment. Parce que sentez bien que la véritable question que vous avez au fond de vous est effectivement, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais. Alors, bien sûr, nous avons, avec Sylvain, déjà évoqué dans un prochain écrit des choses, mais c'est quand même important de dévoiler certaines d'entre elles. Et je sais qu'il ne va pas aimer, mais ce n'est pas très grave. D'accord. L'ego du personnage ne m'intéresse pas. Alors, dans un premier temps, vous devez savoir que l'événement révolutionnaire sur votre planète ne sera pas une arrivée extraterrestre, réellement, mais l'arrivée par eux et par vous, quasiment en même temps, de processus d'énergie libre. C'est l'énergie libre et gratuite développé par un de vos inventeurs d'ailleurs. Tesla avait déjà, il est parmi nous aujourd'hui, Nicolas. Et il avait déjà fait ça. Mais vous allez le refaire. Votre technologie va être très très proche de l'énergie libre. J'ai une bonne nouvelle que ne vous a pas dit Sylvain parce qu'il ne la connaît pas. Mais un des moyens, une des portes d'entrée dans la Confédération Galactique est d'avoir réussi à fabriquer ces processus d'énergie libre. Et que cette idée soit diffusée sur la planète. Jusqu'à présent, je ne vous cache pas que réussir, certains l'ont fait. Oui. Faire passer l'énergie, cette énergie sur la planète, Ils en ont été empêchés. plus ou moins. C'est clair. Plus ou moins. Et on a dû en récupérer certains assez rapidement, je dois dire. Oui. Mais voilà l'événement révolutionnaire de votre planète. Car l'énergie libre est gratuite, j'insiste là-dessus, fait s'écrouler totalement votre paradigme. Oui. Quand vous serez capable, je vais parler d'abord de votre énergie libre terrestre. Je vous parlerai après peut-être de l'énergie libre extra-terrestre. Quand vous serez capable d'imaginer un moteur qui, avec l'équivalent énergétique pour vous d'un litre d'essence, peut rouler 3 000 km, croyez-moi, même si cette énergie n'est pas entièrement libre et pas entièrement gratuite, vous aurez déjà fait des progrès Ah oui. énormes en termes de conscience, d'ouverture de votre conscience. Puisque vous le savez, beaucoup d'énergie, enfin en tout cas, beaucoup de progrès, nous ne parlons pas vraiment de matérialisation ici, on parle d'énergie densifiée. Vous parlez de matière, mais nous, on préférera parler d'énergie densifiée. Donc quand je dis beaucoup d'énergie, c'est comme si je disais beaucoup d'inventions ne peuvent pas exister aujourd'hui pour vous parce qu'elles nécessiteraient beaucoup trop d'énergie pour exister. Je vous donne un exemple très pragmatique, puisque vous aimez que nous soyons pragmatiques. Le fait d'avoir des véhicules autonomes qui roulent tout seuls est tout à fait possible avec ces systèmes d'énergie libre, puisque vous n'aurez pratiquement plus besoin de recharge. Soyons clairs. Le système, avec une base énergétique, cristal irradié, je vais en reparler après, va pouvoir vous permettre de faire des milliers de kilomètres sans la moindre recharge, j'insiste. Mais ce sera pareil pour tout ce qui peut contenir un moteur, ou pour tout ce qui nécessite une énergie induite, j'allais dire. En tout cas, imaginez que vous mettiez, soyons clairs, ça existe déjà dans d'autres peuples. Ce dont je suis en train de parler est évidemment très connu des peuples galactiques, mais vos téléphones, vous les appelez ainsi,
Oui. Je me dis que c'est pas très moderne d'appeler ça comme ça, mais c'est pas très grave non plus. Vos téléphones, imaginez que vous ayez une batterie à vie pour votre téléphone. À vie. Vous ne le rechargez jamais. Il est en permanence relié. C'est pas un rêve, c'est très très proche. Et en fait, vous allez voir, enfin, vous allez voir, c'est très très simple. Ce sera le pas révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous entendrez parler de cette énergie libre partout sur la planète, soyez conscient que ça y est, vous êtes arrivé à une sorte de basculement de conscience générale sur toute la planète. Puisque cette énergie, si elle est libre, gratuite, va aussi permettre de générer de la matière. Bon, pour simplifier votre compréhension, disons que si vous mettez un certain appareil qui existera notamment de modification de climat en plein milieu du désert avec une boîte d'un mètre sur un mètre, vous modifiez 600 km² de climat. Et vous faites de ce désert une terre fertile, sans aucune difficulté. Vous imaginez la révolution. Aussi pour, d'un point de vue planétaire, vous avez aussi un souci de surpopulation. Mais que deviendra ce souci de surpopulation si vous pouvez habiter une zone désertique ? Évidemment, mais si ça n'a pas été fait, ça a été empêché avant, pourquoi ça serait... Parce qu'aujourd'hui, imaginez que nous, de notre plan, nous donnions les plans de ces inventions, parce que souvent c'est ça. En vérité, vous n'avez pratiquement jamais rien inventé. C'est un petit peu comme si nous, on libérait des brevets. Tesla est dans le coin, c'est vrai, il entend ça. C'est un peu ça, mais il est bien conscient. Souvenez-vous qu'il a sans cesse dit qu'il communiquait avec nous, avec des êtres extraterrestres et avec des êtres angéliques aussi. Donc, il n'a pas renié une seule seconde que les plans venaient de nous. Même Einstein, si vous écoutez ses discours, vous dira qu'il discutait avec nous régulièrement. Relisez un peu. Comprenez que finalement, beaucoup d'inventions viennent de ces idées-là. Comprenez aussi, regardez, aujourd'hui, nous sommes en communication extraterrestre et j'allais dire aussi mentale avec Jean-Pierre Petit. J'allais vous parler de lui et je n'ai pas osé. Merci d'en parler. Mais bien sûr que la majorité de ses intuitions, nous lui soufflons. Alors, il n'est pas super adepte des consciences extra-corporelles que nous sommes, c'est-à-dire des anges ou guides. Il est très conscient des énergies ou mots, comme vous les appelez, bien sûr. Ouais. Mais soyons clairs, la majorité de vos intuitions, on vous les donne. Donc, pour être clair avec toi, Nora, nous allons diffuser sur 200, 300 personnes, 300 scientifiques, quasiment en même temps, les plans de ce dont nous sommes en train de parler. Ça va être très difficile d'arrêter 300 personnes diffusées, disséminées partout dans le monde entier, surtout qu'entre-temps, nous vous avons laissé connaître Internet, qui ne permettra pas que les plans s'échappent. Oui, ça c'est génial. Est-ce que ce sera possible de se les construire ? Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des grosses sociétés mettent ça en production. Oui et non. Il ne vous faudra pas, en tout cas, le coût de construction ne sera pas énorme dans un premier temps. Souviens-toi, je t'ai dit, d'abord, vous aurez des techniques humaines. Celles-là coûteront. Mais ce sera votre porte d'entrée galactique. D'accord. Alors, par contre, une fois que vous avez ce pass d'entrée, entre guillemets, dans la Confédération galactique, arrivera fort probablement dans la foulée d'autres êtres, vos frères galactiques, on va les appeler comme ça, de notre côté, vont arriver et eux vont vous donner un autre système d'énergie libre. Ce système d'énergie libre, en fait, est composé d'un cristal fabriqué de manière très, très, très dense et en fait, un cristal bombardé de tachyons. Vous comprendrez un jour ce que sont vraiment l'énergie des tachyons. Un jour, vous comprendrez. En bombardant un cristal de tachyons, ce cristal très précis est fabriqué de manière très précise. Ce n'est pas un cristal naturel. Eh bien, avec un cube d'un centimètre carré, vous pourrez faire fonctionner une ville pendant 3000 ans. Je vous demande juste de comprendre ça. Avec une pointe de votre stylo, votre voiture, elle va rouler pendant 500 ans. Comment ça se passe ? Vous connaissez sans doute aujourd'hui, et vos scientifiques connaissent ce qu'on appelle l'intrication quantique. Le principe de l'intrication quantique, c'est de comprendre que quand quelque chose, une matière est extraite d'une autre matière identique, elle vibre et elle résonne de la même manière. Et son champ d'énergie, que vous appelez son spin, oui. Je vous ai dit que j'étais scientifique, en tout cas, dans une de mes incarnations, peu importe. Mais la manière dont il va évoluer est liée au centre de votre univers. Le plan que tu as derrière toi,
Oui. Ce plan, ce crop cycle, représente ce que je suis en train de te dire. Le centre est le grand soleil central, ce que nous appelons le centre de la galaxie. Oui. Je montre à l'écran, voilà. Le centre de la galaxie est en expansion perpétuelle. Le centre de la galaxie bouge, évolue. Il existe un système qui permet de capturer l'énergie de cette évolution de la galaxie. Je te laisse imaginer la taille de ce dont je suis en train de parler. Mmh. Un système qui permet de récupérer un faible pourcentage, comme vos panneaux solaires, j'allais dire, mais un faible pourcentage de l'énergie de l'expansion de la galaxie. Mais l'énergie de l'expansion de la galaxie est quasiment infinie. D'ailleurs, vous verrez qu'elle va s'arrêter dans quelques milliers d'années, mais on n'en est pas là. Mais en tout cas, on peut récupérer cette énergie expansionnelle, qui n'est pas la même partout. Donc c'est pareil, un jour, vos scientifiques vont finir par comprendre que l'expansion de la galaxie n'est pas la même partout, mais qu'il y a des bulles d'expansion et des bulles même de contraction à l'intérieur. Je n'avais jamais entendu ça. Mais ça, je vous invite à vérifier, parce que vous allez bientôt le savoir. Et certains ont déjà eu cette connaissance. Donc il y a des bulles d'expansion. Ce n'est pas un phénomène global dans la galaxie, c'est un phénomène relatif, en fait. Et relatif plairait bien à Albert. Mais aujourd'hui, imaginez donc que nous ayons placé un cristal géant, géant, vraiment fabrication géante. Il fait la taille de votre planète et même plus, autour de pour récupérer cette énergie-là. Alors, en coupant un tout petit morceau, vraiment un petit morceau, hein, un cube de 10 de vos centimètres sur 10 de vos centimètres, et en l'éloignant, peu importe de quelle distance, peu importe de quelle distance, c'est là que je parle d'intrication quantique, il est toujours lié énergétiquement à son cristal maître d'origine. Le cristal maître d'origine, que certains, c'est le fils du grand soleil. Vous entendrez peut-être parler parfois dans certaines légendes du fils du grand soleil qui apporte l'énergie. Vous verrez cela. Mais donc il aura la même vibration. Ce cube, voilà, aura la même vibration et sera capable de transmettre l'énergie d'expansion de l'univers. Ça veut dire que le moindre centimètre carré découpé à l'intérieur de cela aura cette énergie-là. Et vous, vous serez capable d'avoir une technologie qui, en plaçant un cristal fabriqué comme vos frères galactiques vous l'expliqueront, vous avez suffisamment d'énergie et de matière sur votre planète pour les faire, ces cristaux-là. En prenant ces cristaux que vous aurez bombardés de tachyons, les bombardés de tachyons, ça va les rendre très sensibles à la moindre vibration. En collant Souvenez-vous de là où vous en êtes. Renaud, un internaute, nous dit, pour ceux qui nous écoutent, le tachyon est une classe de particules hypothétiques dont les principales caractéristiques sont d'avoir une vitesse toujours supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide, une masse imaginaire pure et une énergie qui diminue lorsque la vitesse augmente. On est d'accord sur le principe ? Sur le principe, oui. Sur le côté hypothétique, non. Très bien. Ces tachyons existent, vous en avez déjà quelques preuves, même si elles sont appelées différemment, même si vous avez encore tendance à parler parfois de bosons ou d'autres types d'énergie, mais en tout cas, ces tachyons existent bel et bien. Donc, en prenant ces cristaux, mais nous vous donnerons ces technologies, en prenant un cristal 10 mètres, mais en vérité, c'est le fils du maître, oui. En prenant un petit cristal, en collant un autre cristal qui aura été sensibilisé, le simple fait que ce cristal touche le cristal maître va le faire vibrer à vie de ce cristal qui est à peu près 30 000 ans quand même, 30 000 de vos années, à vie, ce cristal va pouvoir développer son énergie. Et le processus est auto-reproductible. Ainsi, à partir d'un bloc de cristal qui ne sera pas donné à n'importe qui, soyons clairs, à partir d'un élément, vous serez capable de diffuser l'énergie libre sur la planète. Imaginez, vous savez ce qu'on est capable de faire sur cette planète avec des outils très simples pour faire du mal. Oui, mais là, l'avantage de ce bombardement tachyonique, c'est que depuis les vaisseaux de la Fédération, on peut émettre un rayon qui supprime complètement l'effet tachyonique. Autrement dit, qui annule toute l'énergie. Et quand je dis que ce cube n'est pas confié à n'importe qui, c'est qu'il reste des extraterrestres, comme vous les appelez, vos frères galactiques. Certains d'entre eux resteront sur Terre dans ce que vous appellerez une sorte d'ambassade, et c'est eux qui détiendront le cube. D'accord. Ok. Si vous décidez d'en faire une arme, on a l'habitude, j'allais dire, on a l'habitude, mais déjà, il faudra avoir la technologie suffisante pour faire une extraction directe de toute l'énergie du cube, ce qui est quand même
relativement compliqué aujourd'hui, là où vous en êtes. Donc, on aura cette capacité, cette énergie-là, énergie libre, mais on n'aura pas la capacité, la compréhension totale de l'utilisation de cette énergie. Parce qu'au final, vous saurez l'utiliser. Vous connaissez aujourd'hui vos comment vous appelez ça ? Vos montres, j'allais dire vos pendules. J'ai connu la Terre au moment des pendules. Alors, mais vos montres connaissent le quartz, donc ce matériau qui vibre à une cadence quand il est soumis à un champ électrique. Mais vous savez aussi qu'on peut utiliser un mouvement pour le transformer en électricité. Ce que vous allez faire avec ces petits cubes, c'est votre capacité à transformer le mouvement permanent, très, 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 très infime, de ce mini-cube, j'allais dire, ou de ce cube secondaire, pour le transformer en énergie, en électricité. Vous utiliserez un peu comme une pile ces objets-là. Mais pour en extraire un maximum de puissance rapidement, en tout cas, vous n'allez pas faire d'énormes dégâts, j'allais dire, puisque ça va vous servir à dans le pire des cas, à alimenter une ville complète. Mmh. Nous n'admettrons pas qu'il y ait un cube pour la Terre en entier, on va les disséminer un peu partout, parce qu'effectivement, tu l'as compris, plus on dissémine, le risque, et moins il y a de risque. Chacun de ces cubes est marqué en énergie, hein. Attention, chacun de ces cubes est marqué en énergie. Ça veut dire que vos frères galactiques ont largement de quoi savoir où est positionné chacun des cubes d'énergie. On est d'accord. Très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, et c'est ça que vous n'avez pas compris, et peut-être que Sylvain s'est mal exprimé tout à l'heure, quand il a dit que vos frères galactiques n'allaient pas vous aider directement, ça signifie aussi qu'ils vont vous mettre sous surveillance. Ils ne vont pas intervenir en permanence et vous expliquer toute leur technologie sans voir ce que vous allez déjà faire de cette technologie-là qui a été principalement sur toutes les planètes qui ont connu cette évolution. Le bloc principal d'évolution a toujours été l'énergie libre. La fin de l'énergie libre, par exemple, sur votre planète a déjà été connue, vous l'avez eue, et vous l'avez perdue avec Atlantide. Atlantide était un ensemble de cités avec un seul cube de 2 cm. Un seul cube de 2 cm et toutes les cités d'Atlantide étaient éclairées. Alors, il existe encore des cubes de ce genre-là dans votre intra-terre, mais c'est un autre sujet que je ne souhaite pas aborder ce soir. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Terre extérieure, eh bien, quand les gens ont décidé de prendre le pouvoir et de dire « nous ne voulons plus de gens qui décident de où va l'énergie », puisque votre Terre était aussi habitée par des extraterrestres sur Atlantide, alors, eh bien, c'est très simple. Ils sont partis dans leur vaisseau avec le cube. Et vous avez dû apprendre à fabriquer de l'énergie. Alors évidemment, malheureusement, le cube maintenait aussi la stabilité de l'île principale. Et j'insiste pour dire qu'Atlantide était un ensemble d'îles, et pas une seule île, mais bien un ensemble de cités interconnectées sur la planète. D'accord. Et la chute de l'Atlantide, c'est avant tout la fin de l'énergie libre sur cette planète qui a créé tout un tas de dévolutions. Ce qui n'a pas empêché certains Atlantéens d'aller s'implanter chez nos amis Inca, Maya, Toltec et autres civilisations sans doute beaucoup plus avancées que vous l'imaginez. C'est un vaste sujet. Déjà, j'ai une question de Horizon Funèbre, son pseudo, donc qui vous demande, cela permettra-t-il d'envisager le voyage spatial ? Oui. Bien sûr, évidemment, mais pas la téléportation, qui restera quelque chose dévolu à vos frères galactiques. Vous avez déjà des technologies de téléportation aujourd'hui, mais comprenez qu'une fois sur 10, votre corps ne réapparaîtra pas. Donc aujourd'hui, c'est trop risqué pour vous, parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'était la stabilité du temps et de l'espace. Donc si vous êtes dans une bulle temporelle, je sais que ça devient compliqué, mais je suis obligé. Si vous êtes dans une bulle temporelle identique, aux deux endroits où vous voulez aller, vous n'aurez pas de problème pour vous téléporter. Mais si vous traversez la galaxie, par exemple, là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des morceaux de l'univers en expansion et d'autres qui le sont moins rapidement. Et dans ce cas-là, le temps va varier aussi. Auquel cas, vous n'avez pas de système de synchronisation suffisamment efficace entre les deux endroits aujourd'hui pour pouvoir vous téléporter correctement. Par contre, pour imaginer des transports spatiaux galactiques dépassant très largement la vitesse lumière, oui, bien sûr. Bien sûr que vous en serez capable. Puisqu'aujourd'hui, ce qui vous manque pour faire ça, c'est de l'énergie.
et que vous avez du mal à transporter dans un vaisseau spatial une énergie qui serait capable de tenir une dizaine d'années. Mais en utilisant ces moteurs qui vont aussi utiliser, vous verrez, des énergies de lumière qui se déploient, ces moteurs-là vont vous permettre d'accéder à des vitesses de 10 ou 12 fois la vitesse de la lumière. Merci. J'ai une question de Samy qui vous demande, et comment combattre les radiations nucléaires, par exemple? Est-ce que... Il n'y aura ici aucune irradiation nucléaire. Quand cette technologie va arriver, elle rendra évidemment votre technologie nucléaire totalement obsolète. Sachez tout de même que vos frères galactiques interviennent très, très, très régulièrement pour annuler les effets de la radioactivité sur votre planète. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous qui écoutez ce soir, déjà perçu dans le ciel des boules vertes qui ressemblent à un feu vert. Eh bien, ces feux verts sont en fait là pour enlever tout phénomène d'irradiation sur votre planète. Ce sont des boules qui, en fait, enlèvent l'irradiation terrestre et empêchent des effets nucléaires trop forts de se mettre sur un territoire. Ouais, j'ai vu ça vers Saint-Étienne. Enfin, c'était quand même assez loin, mais... Donc, c'est ça. Ces fameuses boules vertes sont là pour enlever des énergies. Ce sont des aspirateurs, diraient certains d'entre vous. On va dire qu'ils permettent vraiment de capturer tout un tas d'énergies qui n'ont rien à faire là. J'ai envie de dire merci. Merci. Je pense que si vous saviez tout ce que vos frères galactiques ont fait, je pense que oui, très largement, vous pourriez leur dire merci. Mais justement, ça ne vous dérange pas de faire tout ça et que d'autres fassent tout ça sans qu'on en soit conscient? Parce que pour le moment, on a plutôt peur de ces frères galactiques, de ce qu'on peut connaître d'eux ou de certains d'entre eux. Généralement, les personnes qui font des choses sympas ne le disent pas. Et donc, ça serait bien de communiquer aussi là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est fait ce soir. Elles ne vous le disent pas, à ce que je sache. Ce sont comme vos grands frères. Imagine que... Comment est-ce que tu ferais pour communiquer tout ce que tu fais à un bébé de 6 mois? J'ai un ego, moi. Je sais que tu as un ego, ça rend même le langage plus difficile. Ben oui. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la comparaison est presque celle-là. Je vous ai expliqué ce soir, ils m'ont demandé d'intervenir notamment parce que j'ai suffisamment de bagages, entre guillemets, scientifiques pour pouvoir presque vulgariser ce qu'ils sont en train de... Oui, il faut arriver à démocratiser le discours. ...de parler ici, ce dont ils sont en train de parler. Mais sachez tout de même que Jean-Pierre Petit, pour reparler de lui, a déjà tout ce qu'il faut pour fabriquer cette énergie de libre. Mais on ne l'écoute pas, Jean-Pierre Petit. Pourquoi ? Ce serait dommage d'écouter quelqu'un d'aussi révolutionnaire sur votre plan, mais sachez que ça a été pareil avec Nikola Tesla et que ça a été pareil même avec Niels Bohr, qui a été aussi au bord de fabriquer ce genre de choses. Il ne sera pas écouté, mais il a déjà ce qu'il faut. Il a déjà et le bagage et les informations suffisantes pour produire cette énergie à partir d'une MHD stable. C'est-à-dire, au lieu de déplacer quelque chose, c'est le champ MHD qui bouge. Et à ce moment-là, tu crées une énergie libre inépuisable à partir d'un sélectionneur de champ MHD. Pour utiliser vos termes, nous, on appelle ça un champ d'énergie utilisant le vide. Ce que vous appelez encore le vide. Mais ce vide est toujours vide. Il est déjà plein d'énergie. En fait, vous êtes déjà connecté à cette expansion. Bon. Ici, peu importe, ce que je suis venu vous dire, c'est que le pas, le principal pour votre devenir, ça va être cette énergie libre. Parce que vous n'aurez plus d'énergie à payer. Je vous demande juste de réfléchir à cela. Que se passe-t-il dans un monde où l'énergie est gratuite? Réfléchissez à cela. Et vous verrez que la majorité de vos batailles concernent l'énergie. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des guerres. Il y a toujours des guerres là où il y a du pétrole, là où il y a de l'énergie à utiliser. Les ressources qui serviront à fabriquer de l'énergie. Mais quand l'énergie est libre, c'est déjà un premier pas. Le second pas est sans doute, on va dire, de changer un petit peu votre manière de fonctionner en groupe. Mais comment la transition se fera? Parce qu'on a des méga-puissances, des énormes sociétés qui dirigent le monde, beaucoup plus que les politiques d'ailleurs. Mais que feront ces...
Et la société en elle-même, parce qu'il y a énormément d'emplois qui sont créés sur ces énergies fossiles qu'on utilise, est-ce que ça va se faire en douceur ou est-ce imagine, que Nora, que demain, tout ce que tu achètes devienne gratuit. Imagine que tu crées une société où tu dis à des gens, moi, j'ai décidé d'être votre paysan et je nourrirai 10 personnes. Est-ce que ces 10 personnes auront besoin de travailler ? Pas pour se nourrir, en tout cas, puisque le paysan le fera. Mais peut-être qu'un d'entre eux décidera d'être menuisier et fabriquera des meubles. Un autre décidera d'être charpentier et d'en faire le toit. Et un autre d'être maçon. Tu vois ce que je veux dire ? Vous allez aller vers ce type de civilisation, vers ce type de cité, vers ce type de communauté. Aujourd'hui, ça va être... Il y aura des tentatives pour vous empêcher de faire ça. Je sais mais pas quand si ces cités, quand ces communautés vont se multiplier, là aussi... le poids va être si fort que le système ne tiendra plus et tout redeviendra ce qu'il était à une époque, gratuit et juste une question d'échange entre les gens. C'est vous qui avez inventé l'argent, pas l'univers. Oui, bah avant l'argent, on aurait pu avoir les cailloux. On avait toutes les possibilités pour créer un certain pouvoir et une emprise sur quelqu'un d'autre. On est doué pour ça. Certains plus que d'autres, d'ailleurs, sur cette planète. Mais j'en reviens à cette transition. Tout à l'heure, vous avez dit, vous allez voir, enfin... vous êtes repris, c'est-à-dire, est-ce que nous, là, qui sommes tous connectés, là, ce soir, en train de regarder cette émission et de commenter, est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui vont voir cette chose-là, ou quand vous êtes repris, c'est parce que ce sera peut-être la génération d'après qui va voir 80% ça. D'entre vous qui écoutez ce soir verrez ces événements. Quelle que soit l'hypothèse du temps et de l'espace, et Sylvain vous en a expliqué quelques-unes, il existe des hypothèses temporelles... des annales akashiques, c'est comme ça qu'on dit nous, mais vous pourrez continuer à parler d'hypothèses temporelles, mais qui sont plutôt catastrophiques pour une part de l'humanité, mais dans tous les cas, dans votre pays, 80% d'entre vous vont voir ces événements, puisqu'ils vont arriver, j'allais presque dire, ils ont déjà commencé à arriver, si vous observez bien, on a déjà commencé à diffuser ces informations sur l'énergie libre un peu partout dans le monde. Vous ne savez pas, mais il y a aujourd'hui 14 laboratoires totalement secrets pour vous qui ont ces technologies, qui la testent et qui savent que ça marche, mais qui effectivement savent très bien ce qui va se passer s'ils en parlent. Mais la nouvelle peut se déployer bien vite et ce projet d'ouverture à l'information, d'ouverture à la vérité passera à la fois pour vous expliquer que vous avez déjà les technologies qui peuvent vous sauver et aussi effectivement dans l'apparition entre guillemets officielle d'être extraplanétaire. Mais encore une fois, c'est difficile pour nous de dater cet événement puisqu'il dépend de votre conscience, de votre état de conscience. Ça n'est pas votre volonté. C'est difficile de comprendre que ça n'est pas notre volonté, pardon, soit dans les autres mondes, soit pour les extragalactiques, ce que vous appelez les extraterrestres, c'est pas leur volonté de décider, c'est la vôtre. C'est dans tous vos textes, souvent, vous avez entendu que c'est la volonté du père qui est faite, mais la réalité, c'est que c'est la volonté du fils qui est faite. C'est la volonté de votre enfant. C'est la volonté des énergies que vous êtes qui est faite et mais vous êtes très très près. Je peux pas te dire autre chose même si ça peut paraître très très banal pour vous mais que de vous dire que vous n'avez jamais été aussi près. Oui, mais on a envie de voir ça. Je pense que toutes les personnes en plus qui sont là et sur Nuria TV, sur ce média-là précisément, qui s'informent de tout ça, ont qu'une envie, c'est que ça arrive demain. Pas après-demain, mais demain. Donc là, on a l'impression vous que avez c'est quelques demain maintenant. Est-ce que ça va être demain matin ou demain après-midi ? Vous avez quelques changements effectués dans votre attitude à vous personnelle. Mais n'oubliez pas que chaque jour vous rapproche de ça et que, encore une fois, j'insiste, 80% d'entre vous vont connaître ça de leur vivant et pas à 82 ans. Encore une fois, je vais te faire une évaluation, tu aimes ça. Mais en tant qu'énergie de l'autre plan, autrement dit d'un plan où le temps n'est pas le vôtre, moi j'estime à 5 ans une très grande partie des réalisations de tout ce que je viens d'évoquer. 5 ans maximum pour que l'énergie gratuite soit partout sur la planète connue, j'insiste, connue, mais que ce soit la porte d'entrée pour le reste. 5 ans avec la référence de temps de l'autre plan. 5 ans pour vous. Ah, 5 ans pour vous. C'est une estimation de mon temps. Pour moi, c'est déjà fait. C'est difficile de vous expliquer que lorsqu'on communique avec vous de ce plan, tout ce que je suis en train de te dire est déjà fait. Comme les mauvaises hypothèses sont déjà faites. Vous n'arrivez à vivre que dans une hypothèse du temps et de l'espace, vous.
mais nous avons l'impossibilité de vivre dans plusieurs hypothèses du temps et de l'espace. Ça, c'est compliqué à comprendre pour vous. Bah, est-ce que dans ces autres hypothèses, on y vit nous aussi, et vous aussi? Oui, une part de vous existe. En fait, vous pouvez sans cesse passer d'un monde à un autre, décider d'emmener votre conscience d'une Nora qui a conscience de tout ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui à une Nora qui fait un AVC dans 2 minutes et demie. J'aurais pas pris cet exemple. J'en ai conscience qu'il y a cet exemple-là. Je te l'explique juste pour te dire que c'est à chaque fois, comme une Nora totalement éclairée qui a décidé de planer et de marcher sur l'eau, elle existe aussi. Voilà. Comprenez bien qu'en fait, à chacune de vos décisions, donc à chaque fois que vous modifiez votre état de conscience, vous changez de monde. C'est pas juste une connaissance intellectuelle que je suis en train de vous donner. C'est la réalité. Réellement, chacune de vos pensées vous emmène dans un autre monde. Et le nombre de mondes est infini. C'est pourquoi quand nous disons que ça dépend d'une révolution de conscience, c'est pour vous dire, si vous voulez voir ce que vous voulez voir, c'est à vous de slider, de glisser d'un monde à l'autre pour aller jusqu'à ce monde-là. C'est difficile, c'est pour ça que je dis que c'est votre choix. C'est même un choix personnel. Tu vas glisser dans un monde où tu vas voir ça, Nora. Oui, je le sais. Il y a de très fortes probabilités dans ton énergie pour que tu fasses partie de ceux qui vont glisser dans ce monde-là. Et donc, tu vas glisser avec tout un tas de gens qui vont faire le même choix que toi. Ça, c'est beau. Parce que tu pourrais être la seule. Vous connaissez certains voyageurs temporels. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué cette notion de gens qui peuvent voyager d'un espace à un autre, où ils vivent des vies complètement différentes? C'est parce que ça arrive à certains êtres humains de faire le saut de manière trop rapide. Certains d'entre vous se retrouvent dans le même monde, mais où leur voisin n'est pas le même. C'est compliqué pour vous expliquer ça. Mais ça, c'est un glissement dans l'énergie, un glissement de conscience, un accident, parce que normalement, c'est censé arriver petit à petit, mais certains d'entre vous ont comme des accidents de conscience qui font pouf, ils changent de monde et ils atterrissent dans un autre monde. J'ai eu un témoignage d'ailleurs d'une personne, c'est une émission, j'ai oublié le titre là, mais Voyageur d'un autre temps, je crois, avec Elisabeth de Caligny, où des personnes ont vécu ces moments-là de glissement. Plus nombreux, le décor n'était pas le même. Sur votre planète aujourd'hui, il y a 8 à 10 personnes, c'est pas énorme sur 7 milliards, mais 8 à 10 personnes qui ont fait comme ça ce saut dans l'énergie, qui se retrouvent aujourd'hui dans des endroits qui ne comprennent pas en fait, parce que leur monde n'est pas exactement le même que celui qu'ils avaient quitté la veille en s'endormant. Et comprenez bien qu'à chaque fois que vous vous endormez avec vos croyances, et pendant la nuit, vous glissez d'un corps, vous partez dans votre corps astral, pour l'appeler comme vous aimez à l'appeler, on appelle ça des corps d'énergie, mais vous partez dans un de vos corps d'énergie pour revenir le lendemain matin dans un autre corps, un autre temps et un autre espace qui sera la somme de vos croyances. Donc de votre conscience, de votre état d'être, de votre état de conscience. C'est pourquoi, j'allais presque dire, le plus important pour vous, si vous voulez savoir comment faire, effectivement, vos achats sont importants. Mais j'allais presque dire, vos dernières pensées avant de vous endormir sont sans doute encore plus importantes. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que dans ce pays, alors il faut savoir que Nuria TV est domiciliée en France. Donc, on parle du pays France, mais c'est diffusé à l'international. Donc, on a des internautes qui nous écoutent de partout dans le monde. Est-ce que vous auriez un message pour... Alors, c'est difficile de cibler donc, chaque pays, d'expliquer un petit peu. Comprenez bien que mon message est le même pour tous. Et que quand je t'ai parlé de 80% des gens qui t'entendent, c'était aussi quelque chose qui était une hypothèse planétaire. Merci. Et qui pourrait signifier que 100% des Français s'en sortent et un peu moins les Sud-Américains. Dans une hypothèse. Dans une hypothèse. Mmh. J'insiste. En exemple, comme pour l'AVC. Dans une autre hypothèse, ça pourrait être vous qui ne vous en sortez pas. Mmh. Nous avons parmi nous un être dont vous entendrez peut-être parler, qui s'appelle Edgar Cayce. Oui. Et il vous a annoncé par mon intermédiaire, c'était moi qui lui ai expliqué ça, j'allais dire, ces histoires de comment utiliser vos mots, je vais essayer de reprendre ce que j'avais employé avec lui. On va dire des prophéties
pour utiliser vos termes. Mais il vous avait expliqué à quel point... Peu importe, ça y est, j'ai presque envie de ne pas en parler, pas par censure, mais parce que c'est peut-être un peu hors contexte, mais... Alors, je vais simplement, le temps que voilà, vous repensez à la façon peut-être de nous en parler, Edgar Cayce, donc je vous montre par exemple ici un livre qui regroupe certaines de ses révélations, qui parle de certaines de ses révélations. Il a parlé de l'Atlantide et de plein d'autres choses. Voilà. Donc, quel message vous lui avez fait passer à ce moment-là, qu'on pourrait peut-être éventuellement déjà retrouver dans ses ouvrages? En tout cas, cette idée que la France était... le pays qui serait porteur des lumières dans ce monde. C'est pas le seul. Ou alors, attendez. Je vous parle de lui parce que je le connais. Et ce que je cherche à évoquer ici, c'est qu'il existe plusieurs pays, pas tous francophones. En vérité, les deux langues que vous reconnaîtrez chez des pays précurseurs sont le portugais et le français. Et pourquoi ? Oui, parce qu'il y a un triangle entre la France, le Brésil et le Québec d'énergie qui est très important pour votre monde. Et que ce sont ces langues qui sont parlées, et je perds mes mots avec du mal à communiquer avec vous, dans ces pays-là. Et c'est pas des langues... Vous savez que vos langues sont presque des langues plus proches de langues galactiques que vous n'imaginez. Le portugais et le français sont des langues assez proches, même si vous avez des racines latines et grecques. Il faut comprendre que les Grecs ont eu de très nombreux contacts galactiques, notamment. Bon, peu importe. En tout cas, la France a un rôle à jouer de précurseur dans les vagues qu'elle va disperser dans le monde. Le Brésil joue le rôle de centre d'énergie dans ce triangle. C'est lui qui apporte l'énergie un peu au monde. C'est un cœur mondial, le Brésil. Et le Québec, j'allais presque dire, est la tête alors que vous êtes les bras. C'est-à-dire que vous agissez et ça va faire changer le monde. Dans le pays que peut-être le Québec ou le Canada, ou en tout cas, c'est, on va dire Amérique pour satisfaire et plaire à un maximum de personnes, mais ce pays-là va engendrer des modèles d'idées. Donc, vous avez une énergie, des modèles d'IG, et puis des gens qui font, en fait. Et vous, chers Français, vous êtes les gens qui faites. Vous êtes les gens qui faites le premier pas. Alors, vous n'allez jamais au bout, puisque vous vous faites repiquer régulièrement vos propres idées, mes amis. Mais en vérité, vous êtes quand même des précurseurs de cette énergie. Et ça, j'aimerais que vous le compreniez, que vous compreniez à quel point ce n'est pas une plaisanterie que de dire que la France a un grand rôle à jouer au point de vue mondial. Ce n'est pas pour satisfaire vos égos. C'est pas du tout pour satisfaire vos égos. C'est une question d'énergie, d'histoire, de placement et de centre d'énergie aussi planétaire. C'est tout ce que j'avais sans doute à vous dire aujourd'hui. Bah écoutez, je confirme un petit peu. Enfin, en tout cas, Nuria TV est énormément vue par des Français et des Québécois. Donc, et le Brésil, donc l'hémisphère sud, cette partie-là, l'Amérique du Sud, on y est allé, ça a été le premier voyage de Nuria TV. Donc nous, on a fait le triangle, ouais, c'est clair. C'était fou, c'est fou. Il me semble que j'ai fait une émission, effectivement, aussi. J'étais au Québec, et je discutais avec un mec au Brésil et un autre en France, c'était sympa. Ouais, on est en plein Sylvain. Tu sais, ce triangle-là... Donc je précise, Sylvain est revenu, et oui. De retour. Oui, parce que je te voyais plus, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. Tu remercies Sanat Kumara. Sanat, ça s'écrit S-A-N-A-T, Kumara, K-U-M-A-R-A. Vous tapez ça dans Google, vous verrez qui c'est. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je n'ai même pas envie, en fait, c'est surtout ça. C'est pas grave. Le triangle, là, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Ça, je tiens à le préciser. J'en ai déjà entendu parler par un monsieur que vous avez interviewé, qui est Marc Vallée. Oui. Et qui avait déjà parlé de ce triangle France-Québec-Brésil. Il me semble effectivement qu'Edgar Cayce en a parlé. J'ai vu que tu avais montré un bouquin. À mon avis, c'est Dorothée Köckling de Bismont, c'est ça? Dorothée Köckling de Bismont. Dorothée... Ouais, c'est la spécialiste française d'Edgar Cayce. Mm-hmm. Elle a passé des années dans les archives d'Edgar Cayce. Et effectivement, Edgar Cayce qui était... Vous avez compris, pas un Français, hein, c'est un Américain.
avait parlé de la France en disant que c'était un pays qui serait toujours un petit peu précurseur de ce qui se passe dans le monde. Alors évidemment, avec la Révolution française, on voit bien ce que ça a donné dans le monde, mais je vous invite à penser que ce qu'on est en train de faire est quand même un autre type de révolution. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si je t'ai dit, il y a eu le truc sur le climat, mais je t'ai dit, la France, et c'est vrai, la France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, il y a des tas de gens qui pourraient dire, qu'est-ce qu'on va me faire chier? On représente 1%, ils vont nous taxer encore le moindre truc en nous disant que ça pollue. Attention d'ailleurs, dans le futur, dans le monde futur, ce qui va coûter le plus cher, parce qu'il y aura quand même des points, l'équivalent d'un peu d'argent, mais c'est le transport. Dès que tu vas vouloir que quelque chose vienne de l'autre bout de la Terre, ça va te coûter une blinde. Donc, on va être assez local. Alors, vaudra mieux, j'allais presque dire, vaudra mieux télétransporter la matière que de la faire venir. Mais pour le coup, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, même si on ne représente qu'1% des émissions de gaz à effet de serre, le fait que climatiquement on agisse va avoir une répercussion sur le monde entier. C'est dingue. Excuse-moi. Est-ce que je redescends un peu aussi? T'as tout suivi parce qu'on a parlé un peu politique. Hein. Oui, il a fait ça. Oui, j'ai suivi. Je ne sais pas, j'ai pas percuté ce côté politique. Il va falloir que je réécoute. Il faut comprendre, je ne sais pas si tu l'as senti pendant une canalisation, mais les canalisations, ça augmente le taux vibratoire. Donc, il y a peut-être des gens qui sont sentis un peu comme court-circuités au moment où ils parlent. Parce oui. Tu es entre deux mondes. Tu es entre deux mondes. Alors... Juste, il y a quelqu'un qui a vérifié, parce que je ne sais pas qui était Sanat Kumara. Et il y a Petit John qui dit, Petit John donc, nous dit, Sanat Kumara était un grand blond, je comprends mieux le côté très animé de Nora. Et je viens de googliser, mais oui, c'est un grand blond. Bon, voilà, je l'ai eu. Merci à lui. Je ne me souviens plus exactement de la couille. Ah oui, effectivement. Ah oui, il va te plaire. C'est ta cam. Donc voilà, j'ai pas bon, moi, j'ai confondu, tu vois, dans ma tête, j'ai confondu Sanat Kumara avec un autre guide qui s'appelle El Moria. Mais oui, effectivement. Ah non, mais c'était le mien, celui-là. Écoute, Sylvain, si tu es toujours en connexion, plus ou moins, là maintenant, s'il est toujours dans le coin, si tu peux le remercier parce qu'il est parti assez vite. Il a dit j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. C'est un truc que faut reconnaître aux guides, c'est que eux, quand ils ont fini, ils tergiversent pas. C'est bonjour, merci, au revoir. Hop. C'est pas la peine de me remercier d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a certains, tu sais, ils font un développement, puis à la fin, il y a une conclusion. Et dans cette conclusion-là, il y a ce message un petit peu d'au revoir. Ouais. Là, c'était vraiment un échange, une discussion assez intense parce qu'il y avait tellement de questions qui passent par la tête. Alors, je lisais un petit peu, je reformulais les questions vite fait sans forcément à chaque fois prendre les pseudos. Je suis désolée, les amis. Et je suis sûre que tu vas avoir des témoignages là-dessus. C'est que la plupart du temps, par contre, les guides, eux, ils arrivent à lire les questions. Ouais, et c'était une des choses que je voulais lui demander, et je te remercie parce que je me disais, est-ce qu'ils ont conscience de tout ce qui s'écrit? Oui, j'allais presque dire, ils n'ont pas YouTube, mais ils sont connectés à l'énergie de cette émission. C'est-à-dire qu'ils savent ce que les gens demandent. Et eux, ils sélectionnent, j'allais dire, ils font ce que tu fais toi, comme animatrice. Oui. C'est-à-dire, ils vont sélectionner dans les différents types de questions ce qui est intéressant pour nous de connaître, pas les trucs futiles. C'est-à-dire nous dire est-ce que tout le monde aura une Tesla dans le futur, ils s'en foutent complet. Mais tu vois, c'est exactement ça. Et donc voilà, les amis, j'ai vu pour certains qui me disaient Nora, arrête de parler, Nora ci, Nora ça, Nora truc. C'est pour ça que je sais, ça se passe souvent comme ça en canalisation. Avec toi, Nora, je précise, d'habitude, quand on fait une canalisation, on n'est pas censé l'interrompre. Ouais. Alors, c'est pour je ça le que fais. Je vois ça. Voilà, quand je suis en conférence, les gens peuvent m'interrompre parce que je suis dans un système où je me suis bien positionné. Dans une émission, on évite généralement. On évite parce que la coupure peut être... je dois avouer, allez, je vais me faire gonfler les chevilles, j'ai une certaine habitude de canaliser. Donc, j'arrive à maintenir le canal assez stable. Mais ça peut être très perturbant. Et tu peux te retrouver avec des gens qui canalisent. Et si toi, tu parles, il est parti. Et ouais. Donc, sauf que... Il y a des gens qui me suivent et qui voient que je canalise pendant une heure à un moment où je leur dis j'enlève le chat, j'enlève tout parce que je ne veux rien voir. Mais il n'y a pas de souci à ce qu'on ait des conversations. Voilà, c'est ça. C'est quand on s'est déjà arrivé. Donc, j'ai déjà vu ça avant. Et je sais que voilà, il y en a certains. Donc, merci de leur expliquer. C'est fluide, c'est en un one shot. C'est du point A au point B et au revoir. Et il y a d'autres moments où...
Enfin, dans ces moments-là, les amis, c'est très difficile de jauger qu'est-ce qui est bon ou pas de faire. Et comme je vous l'ai dit depuis le début sur Nuria TV, je fonctionne toujours au feeling. Donc, s'il y a eu des moments sur Nuria TV où ça a été du point A au point B sans question au milieu, c'est parce que le feeling était celui-là. Et souvent, c'est le bon feeling. Et donc, là, ce soir, c'était un feeling d'échange. C'est pour ça que je voulais écrire un moment, les amis, c'est de l'échange. Voilà, je le sentais comme ça. Il y avait tellement de questions aussi à droite. Là, on est parti sur quelque chose de tout nouveau. Là, il nous a parlé du processus, donc énergie libre, l'énergie densifiée, la base énergétique. Et là, quand même, on doit avouer, tu vois, on se disait, on n'a pas de preuves, mais là, normalement, là, j'invite tous ceux. Si dans 10 ans, on n'a rien, il faudra que je fasse comme Paco Rabanne, c'est-à-dire que je me taise à tout jamais, quoi. Mais, j'avais envie de lui demander, est-ce que tu es en train de parler à un Nuréen, tu vois, qui est en train de regarder, ou un internaute, un YouTuber, voilà, qui passait comme par hasard ce soir, qui tombe là-dessus, qui s'intéresse aux sciences et qui ça va interpeller, ou est-ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de nous dire, c'est aussi pour peut-être ouvrir un petit peu l'esprit à peut-être celui qui aura à ce moment-là l'information, qui se dira, allez, je vais le lancer, et autant le lancer en groupe. Il faut le lancer. Tu t'imagines, Nora, que j'ai canalisé un bouquin entier de, il fait 160 pages, qui contient que des informations du futur, assez précis sur un modèle économique, un modèle éducatif, un modèle politique, un modèle sur les retraites, un modèle sur tout ce que peut faire une société. Effectivement, je me suis dit au début, mais à qui s'adresse ce livre ? Ouais. Et ils m'ont dit, mais chacun trouvera sa part. Des écoles seront créées parce qu'ils auront compris le fonctionnement. Des systèmes de... La retraite n'existera plus. Mais comme on n'aura plus besoin de bosser, on va œuvrer toute notre vie en faisant ce qu'on aime. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est... Je pourrais me dire, mais à qui s'adresse ce bouquin ? Ça s'adresse à des rêveurs, des utopistes, mais non, ce sera le monde de demain. Il y a Oraison Funèbre, parce que le pseudo m'a fait un petit peu rire de lire le pseudo, c'est pour ça que j'en ai pas trop lu ce soir. Des fois, vous avez des pseudos, voilà, et qui dit « je suis là par hasard », donc justement, Oraison Funèbre, à qui j'ai pris la question et j'ai lu le pseudo, il était là par hasard ce soir, donc voilà, je sais pas pour qui c'était ce soir, je sais que moi je suis pas scientifique. Il n'y a pas de hasard, donc si cette information a été diffusée ce soir, les questions ont été sorties comme ça. T'imagines si on a certains scientifiques beaucoup plus balèzes que moi qui comprennent ces histoires de tachyon. Pour moi, c'est de l'ésotérisme aussi, le tachyon. J'en ai à peine entendu parler et je les entends parler de ça régulièrement. Et que lui, il maîtrise le sujet et qu'il essaye de bombarder un cristal et qu'il se dit « Merde, il se passe un truc !» Parce que ce grand soleil central, tout à l'heure, tu sais, là, les guides, ils t'ont expliqué qu'il fallait que ça touche un objet. Mais ils m'ont aussi expliqué dans une autre canalisation que le fameux grand soleil central, on en détient l'énergie un peu, nous. Donc je me dis, ça veut dire que quelqu'un qui arrive à se connecter à ce grand soleil central peut faire vibrer ce fameux cristal sans même le toucher. Enfin, ça peut aller très très loin dans l'idée. Là, je suis peut-être dans la partie ésotérique d'une construction. Non, peut-être cette partie-là, justement, qui serait peut-être un peu en contrôle, parce qu'ils ont dit quand même qu'ils n'allaient pas... voilà, que cette information n'allait pas non plus être diffusée sans un minimum de surveillance. Alors, je sais, les amis, des fois, ça nous énerve un peu de se penser surveillés. D'autant plus que, parfois, on a l'impression que pour le reste de la planète, ils nous prennent pour des enfants. Là, carrément, ce soir, il nous a dit qu'on avait 6 mois. Donc, voilà, moi, perso... La plupart des guides, quand il a dit 6 mois, je pense qu'il est en train de parler des frères galactiques, c'est-à-dire des extraterrestres, d'accord ? Je pense qu'il parlait d'eux, mais par contre, pour les guides que je contacte régulièrement, pour eux, on est des adolescents, donc c'est déjà mieux. Ouais. On joue un peu avec le feu, on ne maîtrise pas tout, on fait des essais-erreurs, mais en tout cas, on n'est pas des bébés pour eux. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y aura un truc parce que généralement, je sais pas, moi, la première fois qu'on a su comment faire une hache, elle n'a pas servi seulement à couper du bois et construire une maison. Hein, on fait des trucs super violents avec ce qu'on peut avoir. Et il nous a dit que non, ça serait... Mais justement, c'est pour ça qu'effectivement, on peut mal prendre le fait que cette future technologie risque d'être sous contrôle galactique, mais notre histoire nous apprend que c'est plutôt mieux. Avec les internautes qu'il y a là ce soir et les nouveaux. Tu te souviens, il a parlé d'Atlantide, donc ça veut dire que sur une cité où c'était sous contrôle des humains, les humains entre guillemets de l'époque, on en même eu marre de ce truc-là et leur ont dit bon, c'est bon, cassez-vous avec vos petits cailloux, là, on va se démerder tout seul. Mm. On a vu le bordel après. Mm. Mais...
C'était, en tout cas, c'était super. Savoir que la technologie, je t'en parle quand même, parce que j'ai vu que tu as présenté tes murs tout à l'heure, là, ils sont vachement sympas, là. Mais les murs, c'est par les Incas, tu sais, où c'est au cordon, il y a pas, tu fais pas passer un pet d'air entre deux cailloux. Un jour, les guides m'ont montré comment ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils prenaient un de ces fameux cubes dont on est en train de parler et qu'ils arrivaient à liquéfier la pierre. C'est-à-dire que si c'est si parfait, la pierre n'est pas taillée. Elle est coulée. Elle est coulée, on est d'accord. Moi, je pars sur cette option de la pierre coulée. Je vous montre hein, ce mur d'une perfection de ouf. Un petit exemple. Ne l'enlève pas, parce que c'est un puzzle. Attends, ouais, là, je te promets, je ne l'ai pas déballé. Je ne pense pas le déballer. C'est tellement coulé qu'ils m'ont montré qu'il y avait des moules complets. Et effectivement, après, j'ai été me renseigner là-dessus. Dans cet endroit-là, tu vas t'apercevoir qu'il y a un mur à droite et un mur à gauche, et le calque. C'est-à-dire que tu pourrais les mettre l'un sur l'autre, et au quart de poêle, c'est la même taille pour tous les cailloux. Alors, qu'encore on y arrive d'un côté, mais qu'on arrive à faire une symétrie au quart de poêle de l'autre côté, si ce n'est pas un moule, il faut m'expliquer, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, tu vois, cette technologie peut aller très très loin. C'est dingue. Les amis, les questions personnelles, on ne les prend pas ce soir parce que j'ai vu des questions personnelles. Et Laetitia qui me dit « Oh, Nora, les questions. Et oh, les amis, on se détend. » Il est 22h30, les amis. On se détend. Si là, je ne reprends pas de questions, c'est comme un petit peu la dernière fois. On est avec Sylvain, si jamais… N'empêche que cette petite dernière question, justement, comment aller bien quand ça va pas trop, j'aimerais bien qu'on finisse un peu là-dessus parce que je l'ai vu passer plusieurs fois de différentes personnes. Si tu peux nous donner ton point de vue là-dessus. Mais les amis, vraiment, détendez-vous sur YouTube. C'est des moments qu'on va revivre. Voilà, Sylvain, si tu as la possibilité de revenir nous voir, tu n'hésites pas. Vous avez la possibilité de retrouver Sylvain et de vérifier ses vidéos, de revisionner ses vidéos. Voilà, Renaud, je t'invite à... Renaud, il nous dit qu'il faut envoyer la conférence à Jean-Pierre Petit. Je pense, en plus, on a eu un petit clin d'œil de Jean-Pierre Petit aujourd'hui. C'est pour ça que voilà, je n'ai pas osé en parler, parce que je me suis dit non quand même. C'est rigolo comme coïncidence, parce que tu imagines bien que je ne pense pas à lui tous les matins. Je connais le personnage, mais moins bien que vous. J'ai suivi un peu son modèle Janus pendant quelques temps, et au bout d'un moment, j'ai décroché, forcément. Mais... on est un peu en contact avec lui en ce moment, justement. Et donc, voilà. C'est compliqué pour Jean-Pierre Petit en ce moment. C'est pour ça que je lui enverrai bien la vidéo. Je ne sais pas comment il prendrait les choses, comment il prendrait cette vidéo-là, mais pour connaître Jean-Pierre Petit, il est très ouvert d'esprit. Voilà, je ne peux pas lui demander, mais tu peux peut-être lui demander ce qui se passerait si effectivement il avait un engin qui faisait de la MHD tournante, si effectivement ça créerait un système. Sincèrement, je vais caler la vidéo. Moi, je ne connais rien. Comme toi, tu montres deux équations. U égale RI, c'est la dernière que j'ai vue en physique. Hein. Parce que je crois avoir compris quand même un petit peu ce qui a été expliqué parce que ça a été extrêmement bien expliqué, facilement. Ça a été compréhensible pour que je puisse visualiser les choses et les comprendre. Mais je pense qu'il a dit certaines choses, dont les termes, par exemple, quand tu dis base énergétique cristal irradié. Bon, voilà, c'est un scientifique va tout de suite avoir la formule, le truc, le machin, comment ça se passe. Donc, je lui transférerai Renaud, promis, ça sera fait. Et puis, comme tu disais, certains peuvent avoir besoin de temps pour redescendre après une canalisation. Oui, je suis dedans là. Sur Internet, si vous me suivez, vous pourrez aussi, je vous ai dit, ça coûte 3,70€ par mois, je crois, mais vous pourrez suivre une canalisation d'une heure. Donc imaginez, au bout de 10 minutes, on a la tête à l'envers, mais parfois, au bout d'une heure, ça peut être particulier. C'est pour ça que j'ai mis aussi, c'est gratuit, hein, tous les textes de toutes mes canalisations sont sur mon site. Alors, pas les lives. Hein. Les lives, si vous les voulez, il faut retourner sur le site du Grand Changement et vous les achetez si vous voulez. Mais sinon, tous les textes, ils sont gratos. Parce que moi aussi, mes guides m'ont dit « Tu dois diffuser tout ce que tu fais. » Donc, même si j'en fais des bouquins, de toute façon, à un moment, les textes, ils vont être diffusés gratuitement quelque part. C'est ce que je me suis dit. Regarde, même nous, sur l'espace des commentaires, c'était pour donc ceux qui ont un compte Nuria, donc peuvent écrire. D'ailleurs, je regarde des commentaires sur Nuria TV aussi. C'est pour ça que je vois tous les commentaires de Renaud. N'hésite pas à les condenser sur un paragraphe, Renaud. Mais j'en ai vu beaucoup. Je regarde le site, mais il y a eu un bug au niveau des commentaires du site, ce qui a ouvert le chat, ce qui fait qu'on discute avec énormément de monde donc ce soir et tous les soirs d'émission. Donc c'est pour ça que je suis désolée, on prend peut-être pour vous moins de questions qu'en émission normale, mais c'est qu'on n'en a pas autant sur le site. Mais de toute façon, on ne peut jamais, dans ce type d'émission même de 2 heures, répondre à toutes les questions. Non, quand tu arrives à 10 questions, tu es content.
C'est pour ça, faut... moi, des fois, je lâche prise, bien que des fois, je peux me dire, ah, zut, j'ai pas pris autant de questions que j'aurais voulu. Ou, voilà, c'est... Donc, des fois, on va se revoir. C'est ça. Et là je calais, j'ai vraiment deux écrans de commentaires. Je regarde, je lis un petit peu, je reformule vite fait, globalement, pour essayer de faire en sorte que, en tout cas, mes questions puissent vous toucher. Je vous remercie beaucoup quand vous m'écrivez en me disant, oui, ben, merci pour cette question qui a été posée. J'y pensais, j'ai pas forcément écrit la question, mais voilà, souvent, ça se passe comme ça. Et ça se passe que quand je fonctionne au feeling. Donc, le feeling de cette soirée était parfait. Ne vous inquiétez pas. L'information qu'on a eue, c'était l'information qu'on devait avoir ce soir. Et franchement, je n'en reviens pas encore. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai besoin de descendre. Mais j'ai l'impression que c'est dingue. Ce qu'on a eu ce soir comme information technique, c'est sur l'évolution. T'as envie que ça arrive, là, la prochaine heure. Moi aussi, je suis le premier à attendre. C'est ce que je dis aux gens. Ils disent, mais toi, tu sais. Non, je sais pas, j'attends, je suis comme vous, j'attends. Et en même temps, j'aimerais bien voir la tête du dirigeant Total lorsque 300 scientifiques s'amuseront à balancer les plans à travers la planète de cette énergie libre. Et il va faire la tronche. Ça, je pense que... Il fait déjà la tronche. Hein. Ils font déjà la tronche, les mecs, mais... Ils font déjà la tronche. Mais tu sais, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, dans ta grande sagesse. Je reprendrai, par contre, la question du bonheur là, à la fin. Non, mais déjà deux choses. Premièrement, moi aussi, vous allez voir, si vous suivez ma chaîne YouTube, je fais aussi des interviews et je sais que c'est pas facile d'être à la place de Nora, de sélectionner des questions avec tout un tas de gens plus ou moins frustrés, ce que je comprends parce qu'on n'a pas posé la leur. C'est un exercice vraiment de haut vol et tu t'en sors vachement mieux. Très bien. Merci. J'ai beaucoup mieux. Au tout départ, je me souviens, rien à voir. On ne parle plus de la même Nora. Donc, c'est fantastique. Merci. Et puis, ce que je voulais dire, je sais même plus ce que je voulais dire. C'était voilà, sur le site, vous allez voir que effectivement, je fais des interviews avec des gens et d'autres personnes et que des fois, on ne sait pas trop quoi poser. Il y a même des gens, je me suis retrouvé sans voix si j'étais là. Quand tu fais une conférence avec quelqu'un qui a vécu l'éveil, tu ne peux pas poser de questions puisque quoi que tu dises, la personne va te dire « mais ce n'est pas important ». Donc, tu ne peux pas. Bon, on va peut-être répondre à cette histoire de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas. Ouais. Et généralement, globalement, parce qu'ils sont nombreux et chacun a des soucis, que ce soit professionnel ou autre, dans cette période-là, dans cette année-là, 2019, vraiment quelque chose pour demain ou pour ce soir ou... Pas de problème. Je t'envoie le paquet. C'est Sylvain qui va parler, c'est pas un guide, mais c'est parce que je fais ça depuis des années, c'est ce que je fais en fait dans tous les tas de coaching et tous les gens que je vois tous les jours, c'est ça. Et même ceux que je vois en conférence, c'est ce qu'on fait. Hein. Alors... Globalement, je voudrais que vous compreniez quelque chose que j'ai voulu évoquer au début et qui n'est pas une petite information. Je sais que quand les guides, c'est con, j'aurais pu le savoir bien avant, mais les guides me l'ont dit en début de cette année. Et quand on pense à cette histoire de se dire, vous n'êtes qu'un petit point dans un ensemble de vide, ça ouvre tout un tas de questionnements. Je vous le refais encore, voilà votre corps tel que vous le percevez. La réalité de la matière, c'est le petit point noir là que je viens de dessiner sur ma feuille. Et c'est vraiment la réalité de la matière. Là, renseignez-vous dans Google, dans vos copains, où vous voulez, et vous verrez qu'on peut faire tenir, la planète entière dans une balle de golf. L'ensemble des molécules de la planète. S'il n'y avait pas de vide, ça tient dans une balle de golf. Ou pire, une balle de basket, si ça peut vous faire plaisir. Dans tous les cas, ça ne fait pas beaucoup. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire en fait que quand on a des problèmes, c'est qu'on ne s'intéresse qu'à la partie visible de l'iceberg. On a des problèmes dans la matière, on ne va pas les nier. C'est pas niable, comme dirait mon ami Sylvain Duboulet, mais c'est pas nier. C'est ce qu'il dirait, c'est pas nier. Donc, on ne va pas nier que vous avez des problèmes d'argent, on ne va pas nier que vous avez des problèmes de santé, on ne va pas nier que vous avez des problèmes familiaux, il n'est pas question de les nier. Il est question par contre de se dire, ces problèmes représentent la face visible de l'iceberg. Si je modifie mon état d'être, mon état de conscience, mon état vibratoire, je peux, mettez-vous juste dans l'idée, parce qu'on n'a pas le temps d'exploiter les techniques ce soir, mais mettez-vous juste dans l'idée que c'est possible, en changeant d'état vibratoire, on va dire ça comme ça, de modifier les événements. Beaucoup l'ont fait, hein, énormément. Si vous connaissez la loi d'attraction ou un tas de trucs comme ça, ça ne parle que de ça. Mais... Alors, on pense qu'on veut de cette loi-là, peu importe. Après, on va parler de libre-arbitre et de dire finalement, les guides, ils nous laissent faire juste ce qu'on a le droit de faire. Bon. En attendant, pour augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire pour aller mieux, eh bien, je vous invite à utiliser, déjà, on va parler de la méthode du corps, d'utiliser votre corps, parce que vous en avez un. Alors, c'est moi, ceux qui disent « on n'est pas le corps », j'ai envie de leur coller deux claques. Si vous dites « on n'est pas que le corps », je suis d'accord avec vous, mais si vous dites « on n'est pas le corps », je dis « ben, c'est pas de bol, parce que pour le moment, je vois que ça ».
Donc, je suis aussi le corps, mais je suis avant tout la conscience, je suis d'accord. Augmenter un état vibratoire par le corps. Alors, ça va être, allez vous faire masser si vous avez un copain qui vous masse ou une copine qui vous masse. Vous verrez déjà, ça vous met dans un autre état vibratoire. Et déjà, le massage, lui, va permettre de libérer les émotions. Et il faut savoir notamment que 80% des pathologies sont dues à des émotions refoulées. Donc déjà, si vous utilisez des massages, des techniques de massage, vous faites un bain, une balnéo, un truc comme ça, déjà, dans votre tête, ça va aller mieux. Deuxièmement, l'énergie, l'état d'être dont je parle, nécessite de pas bouger. Donc, ce que je veux vous dire, c'est si vous êtes dans des idées tout le temps les mêmes dans votre tête, bougez votre cul. C'est la technique BTC, bouge ton cul. Bougez votre cul. Ça veut dire ne restez pas sur place, ne restez pas là où est le problème. C'est pas faux. Ben ouais, mais il y en a qui ont tout compris, par exemple, c'est les fumeurs. Je dis pas qu'il faut fumer, mais eux, s'ils sont au bureau, qui sont emmerdés, c'est « Oh, ça fait chier, je vais fumer une clope. » Et quand ils reviennent, ils ont la solution. Ils ne l'ont pas obtenu dans la fumée magique. Ils l'ont obtenu par le fait qu'ils n'étaient plus dans l'énergie. Il y a comme une bulle d'énergie autour de nous, de conscience, là, qui est là. Ils n'étaient plus dans cette bulle-là. Ils étaient dans une autre bulle. Vous savez très bien que vous changez les idées, comme vous dites, c'est notamment aller ailleurs, voir autre chose ou faire autre chose. Donc, c'est déjà ça, la technique. Rester tout le temps à la maison en disant « Demain, ça va aller mieux. Demain, ça va aller mieux. » Il y en a qui croient que la loi d'attraction, c'est ça. « Demain, ça va aller mieux. » Déjà, personne ne vit demain. Hein. Personne ne vit demain, on vit tous aujourd'hui. Je ne connais personne qui vit demain. Moi. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer ça à l'univers. L'univers, il met la carotte devant vous, il vous dit « Oui, oui, c'est demain. Ah bah oui, oui, c'est demain. Non mais demain, t'as dit demain, demain. » Donc, déjà, maintenant, hein. Sortez, c'est une des techniques. Utilisez votre corps, mange, prie, aime, bouge, fais ce que tu veux, mais en tout cas, bouge. Ça, c'est un moyen. Il y a aussi des musiques qui augmentent votre taux vibratoire. Alors, c'est celle que vous voulez, mais arrangez-vous pour avoir des paroles qui soient quand même assez sympathiques, même si c'est du hard rock, on s'en fout, mais qu'au moins, il y ait des paroles qui vous élèvent. Et comme je dis, moi, ça m'arrive d'écouter et de la musique classique et du métal. Donc, j'ai Nightwish d'un côté et Mozart de l'autre. Vous connaissez les deux groupes, c'est pas pareil. Donc, enfin, Mozart, c'est pas un groupe. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que écoutez des musiques qui élèvent votre mental. Alors, pas des musiques qui vont vous le slowder, enfin, qui vont vous le mettre à plat. Hein. S'écouter tous les slows quand vous venez de vous faire larguer, bah oui, c'est bien, ouais. Oh, ça va faire tourner l'énergie autour de vous. Donc déjà, elle n'est plus en vous, c'est cool. Mais alors après, tu recommences avec le bouche-ton-cul. C'est-à-dire que ça va te permettre d'évacuer l'énergie à l'extérieur de toi, mais après, il faut sortir. Il ne faut pas rester là. Ou alors, tu mets des musiques qui t'entraînent. D'accord ? Donc, des musiques qui vous sont un peu entraînantes et qui invitent le corps à danser, pas des musiques qui invitent le corps à pas bouger. Danser, ça, c'est important. Les Indiens ont compris ça depuis très longtemps. Quand vous regardez un Bollywood et que le mec fait « Allaité, tambantaka, annaité, tambantaka », non, mais nous, on regarde ça, on dit « Ils sont complètement tarés !» Mais au bout d'un moment, on est là et on fait « Oui !» Exactement, c'est vrai. C'est assez contagieux, mais ils vous mettent dans la joie et vous ressortez de ce truc avec une patate. Quand on a compris ce qui se passe derrière. En tout cas, ça vous met dans l'énergie. Donc, le son va vous aider, le mouvement va vous aider, les massages vont vous aider, les odeurs sont très importantes et vont vous aider. Placez-vous dans des parfums qui vous rappellent des moments agréables. Si c'est l'odeur de la mer, vous vous démerdez pour goûter l'eau de la mer. Si vous aimez la forêt, vous mettez des odeurs de terpénol, vous respirez du Ravinsara. Ou même des encens, peu importe. Là, j'ai trois types de sauge. Là, il y a de la sauge blanche, il y a des mélanges de sauge amérindienne, il y a du foin d'odeur. Alors, ne pas fumer. Hein. Le but, c'est pas de le fumer. Hein. Le but, c'est de mettre des odeurs comme ça qui augmentent l'énergie dans la pièce. Parce que vos pensées, c'est des énergies. Et plus l'énergie est haute, plus ça fait pouc. Et comment on sait qu'on a réussi ? Ah, bonne nouvelle, mesdames. Quand vous aurez réussi à vous débarrasser de vos idées, je dis mesdames parce que c'est souvent elles qui me posent la question, les mecs n'osent pas. C'est surtout ça. Hein. Ils sont bien cachés dans leur coin, mais ils sont tout contents que leur femme leur apporte la réponse. J'adore. Eh bien, vous allez vous sentir dépressive. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, vous sentez le vide en vous. Et vous vous dites, c'est pas un état normal. J'ai envie de rien. Ça ne me touche plus. Rien ne me touche. Et là, vous vous dites, oh, je suis foutu, je déprime, il faut que je prenne des cachets. Ben non. Vous venez juste de réussir à quitter votre état d'être précédent. Vous êtes dans la paix, mais on n'a tellement pas l'habitude d'être en paix qu'on considère que c'est une maladie. Donc, on vous donne des cachets pour ne pas être en paix. Des cachets qui vont vous rendre encore plus nerveux et vous forcer à réfléchir à un moment où votre corps vous dit « Mais ferme ta gueule, laisse-moi faire. »
Parce que faut le respecter, ce moment de calme et de paix à l'intérieur, ce moment semi-dépressif, parce que par contre, dans ce moment-là, quand vous le sentirez, ce sera le moment, pas de vous dire que vous êtes en dépression, mais de vous dire que c'est le moment de remettre des nouvelles idées en moi. Qui vais-je devenir maintenant ? Il y avait l'ancienne Marguerite et il y a la nouvelle Marguerite. Mais la nouvelle Marguerite, elle fait quoi ? Elle va continuer à se laisser emmerder par le mec-là, elle va continuer à se laisser emmerder par son boulot, elle va continuer à croire qu'elle n'aura jamais de sous dans sa vie, ou elle va se dire oh, « j'en sais rien, l'univers est avec moi, je ne suis pas tout seul, puisque je suis en grande partie invisible, je peux peut-être m'adresser à ces êtres invisibles, ils vont peut-être m'écouter ». Donc je vous invite effectivement à écouter les guides et les anges. Vous n'avez pas besoin de les connaître ou de les appeler par leur nom. Dites « mes guides, mes anges » ou l'autre mec là-haut, il paraît qu'il y a quelqu'un si tu m'écoutes. Peu importe comment vous vous adressez à cette énergie. Mais faites-le déjà. Vous risquez rien, à part de passer pour un crétin si vous êtes devant 300 personnes. Mais globalement, vous risquez pas grand-chose. Hein, il y en a qui passent pour ça devant des milliards. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ouvrez-vous à l'invisible, augmentez votre taux vibratoire. Ne me croyez pas, faites ce que je viens de vous dire. Et vous allez voir, vous allez très rapidement sortir de cet ancien état d'être et rentrer dans un nouvel état d'être. En tout cas, tu nous as beaucoup fait de bien là ce soir. On clôt super bien la soirée. Il y a Sandrine qui nous dit « Qu'est-ce qu'il me fait rire, Sylvain, j'adore ». Il y a Audrey qui nous dit « Va falloir calmer les spasmes de fou rire pour réussir à dormir. Péter des rires, vous êtes au top ». Sylvain, hein. Moi j'étais pliée aussi. Mais franchement, remettez-vous cet extrait quand ça ne va pas. Vraiment, vous mettez cet extrait de fin d'émission. Yes. Ça vous fait des bons rappels et c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que ça a l'air simple, mais je vous assure que ça fonctionne. C'est une solution aussi, hein, pour regarder des petites vidéos de Nuria TV, ça va vous remettre un peu dans le move. Hein. Oui, alors attention à la vidéo sur « Ils sont parmi nous ». Ne la regardez pas forcément quand ça ne va pas. Ok, parce que là on a fait parmi nous dès qu'on n'aimerait pas qu'ils soient parmi nous. Quoique remarque, on n'en sait rien. Alors, merci beaucoup les amis, merci pour vos super commentaires. Marie qui me dit toujours un bonheur d'écouter Sylvain. Merci à l'équipe de modération qui a vraiment assuré ce soir sur YouTube parce que c'était top. Il y avait énormément de messages. Merci aussi à tous ceux qui avaient des petits messages en orange. Je sais pas trop comment ça se passe exactement. J'étudie le truc, mais on voit bien vos messages et merci pour les super messages que j'ai vu passer. Reliance qui nous dit superbe émission. Il n'y a aucun sur le site nuria.tv qui nous dit c'est plein d'espoir tout ça. C'est vrai que c'était cool. Ouais, on parle de fin du monde, fin d'un monde, encore une fois, qui change. On passe à autre chose et ça a l'air vraiment sympa, l'autre chose. Luciole qui nous dit merci à Sylvain, à Nora et tous les guides présents. Toutes les lumières s'allument. Bisous du cœur. Namasté. Je nous aime. Caro qui nous dit rien n'est dû au hasard. Je vous aime pour ce que vous nous apportez. Voilà. En général. Renaud qui dit mort de rire, prends note, merci Nora. Alors, je ne sais plus sur quoi tu disais ça, mais en tout cas, merci à toi Renaud pour tes commentaires ce soir. Merci à tous ceux qui ont commenté sur le site nuria.tv. Merci à la présence de toutes les personnes qui sont... Ah bah tiens, il y a Audrey qui a cet encadré orange. C'est quand on tague les gens comme ça, ma petite Nora. Ah, voilà, j'ai compris. Voilà, merci, mystère résolu. Un mystère de moins pour moi ce soir. Merci à vous les amis. Merci de faire en sorte que ces émissions soient aussi agréables à regarder. Merci aussi d'avoir tous ces échanges entre vous. Quand je vois vous répondre les uns les autres sur le chat aussi et apporter des compléments d'information, surtout dans des soirées où on ne peut pas forcément prendre tous les commentaires, surtout avec le chat YouTube. Donc, merci pour ces échanges et cette belle ambiance que vous mettez en place aussi sur YouTube, qui est un espace très difficile, mais il y a une super ambiance et encore un énorme, d'ailleurs, pour ça, merci à l'équipe des Modos qui nous permet de passer justement des soirées super agréables. Merci à toi, Sylvain, pour cette incroyable soirée. Encore une fois, tu nous emmènes loin. Je pense qu'on te reverra, hein, j'espère. Et puis, les amis, on est allé très très loin, ouais, tête dans les étoiles, voyage dans le temps, information nouvelle sur laquelle on va pouvoir se poser avec des informations techniques qu'on va pouvoir vérifier. Donc, belle soirée. Et encore une fois, les amis, n'oubliez pas donc de faire vos propres recherches pour aller plus loin, d'étudier les choses.
comme vous l'a dit Sylvain, et vous invite à le retrouver sur son site. Vous avez plein de vidéos en accès libre. Vous pouvez aller regarder, vérifier, comparer. C'est à vous de voir. Et peut-être, la prochaine fois que tu reviens, lui poser des questions. Voilà. N'hésitez pas, les amis, à utiliser, si vous avez un compte Nuria, à utiliser la partie des commentaires sur Nuria TV, parce que là, ça reste plus fixe. Il y a moins de monde. Donc, voilà, si vous avez vraiment des questions très importantes, n'hésitez pas à les copier, coller là-bas et ensuite passer sur le chat si pour vous, c'est plus fluide sur YouTube. Voilà. Merci de faire en sorte que Nuria soit là, les amis, mais à tout le monde, et à toi Sylvain, parce que tu fais partie de nos intervenants qui nous aident à diffuser de l'information, et je te remercie pour le temps que tu as accordé aux Nuréens et à moi ce soir. Merci à toi. Et que dire, merci à Sanat Kumara, ton première fois. Ton blond préféré maintenant, oui. Je le surkiffe. N'en parle pas Guillaume quand même. Bon. Surkiffe. Et heureusement que j'avais pas son image quand je lui parlais. Ah, t'aurais été tout troublé. Ah, il m'aurait troublé. Oh non, déjà que je commence. Ils sont soft quand même. Oui. Déjà que je commence à peine à me détendre il y a quelques mois, tu vois. Je t'avais dit avec le channeling, au début ça se passait pas du tout comme ça. Au contraire, je t'avais dit non, tu peux leur dire de pas venir. Tu vois. Et là, non, je me détends un petit peu avec ça. Et puis c'est vrai que finalement, dans ma tête, je les vois comme. Comme moi, comme toi, comme voilà. Alors, que ce soit quelqu'un d'autre, une conscience supérieure, notre âme supérieure, peu importe. Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Tant que ça ne dit pas, vous devez, il faut arrêter tout, vous êtes nul, voilà, allez, go. Voilà, c'est ça. Et après, on prend, si on peut vérifier, on vérifie. Mais en tout cas, l'échange est super sympa, super fluide. Et voilà, je ne me prends pas la tête et je me dis qu'au final, il y en a certains qui sont plus avancé, donc ils m'excuseront si jamais des fois j'ai peut-être des impolitesses ou je peux couper la parole ou ce genre de choses. Bon, ils en sont pas là. Il avait pas d'ego, lui, il nous a dit. Voilà, donc j'avance détendu avec les channeling maintenant. Je me prends plus la tête que je crois. Donc merci à vous tous, merci les amis, je vous laisse vous reposer tranquillou. On est en milieu de semaine, bon courage pour la fin de la semaine, bon courage à. On en a parlé ce soir, je l'aurais dit encore. Bon courage à tous les gilets jaunes et ceux qui ont la conscience gilets jaunes et ceux qui ont envie que le monde change, s'améliore. Voilà. Vous savez, une nouvelle fois, tout mon soutien personnel, c'est quelque chose que j'ai jamais caché sur Nuria TV. Vous le savez, depuis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez même pour quel parti politique je vote. Voilà. J'agis en transparence sur le média. Comme ça, au moins, vous pouvez vérifier aussi ma façon de parler. Si certaines de mes questions ou de mes commentaires ne vous conviennent pas, vous savez d'où ça vient. Voilà. Mes convictions politiques ou idéologiques. Voilà. Donc, au moins comme ça, vous pouvez vraiment jauger et les intervenants avec leurs différents travaux, mais aussi l'animateur, où j'aimerais bien que les journalistes fassent ça sur certains grands médias, nous disent vraiment ce qu'ils pensent. Comme ça, on saurait... Enfin, on aurait du recul pour vérifier les choses, ça serait plus sympa. En tout cas, nous, on le fait sur Nuria TV. Voilà, donc, mais on accepte tout le monde et on est pote avec tout le monde. Et puis, quand on n'est pas d'accord, on en discute et c'est très, très bien. Et la planète se fait avec plein de différences et c'est comme ça qu'elle est belle. Mais soyez quand même plus nombreux à être sympas avec la planète. Et les animaux. Merci. Et les animaux, très important. Merci à vous tous. Je vous laisse sur une petite image sympathique. Avec une petite pensée pour notre autre interlocuteur du soir. Ciao les amis, à bientôt et n'oubliez pas, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao.